Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, mon frère, on va parler de pas mal de choses dans ce podcast. On a promis le sommeil Oui. et du coup, on va pas en parler. Voilà, c'est sûr, on va pas en parler. On va pas en parler, non, à la place, on va parler d'autres choses, mais On va pas faire du des analogies au cul, à la bite et au néné. Non, Rémi, il faut pas Ça qu'on. fonctionne. Non, parce qu'après, ça va devenir le podcast du beauf. Mais c'est vrai que c'est ce que les gens aiment, malheureusement. Mais après, il y a YouTube qui m'envoie des messages. Et tu sais, je me sens coupable quand je poste la vidéo. Il y a écrit aucun contenu non annoncé. Enfin, merde, non, qu'est-ce que. J'arrive pas à parler. Aucun contenu non adapté pour les annonceurs. Ah oui. Et dans la liste, il y a du coup vulgarité. Et en fait, je suis censé cocher s'il y a des vulgarités. Et du coup, je perds la monétisation. Et vu comme, en fait, ça serait con de perdre les 3 euros que nous ramène chaque épisode du podcast, eh bien, à chaque fois, je dis qu'il n'y a pas de vulgarité. Bon, bah puisque c'est comme ça, on va parler du sommeil alors. Pff, dommage. Dommage, ouais. Dommage. Mais mon frère, avant ça, tu voulais faire un petit retour sur ta semaine, tu avais des trucs à dire. Ouais, un truc un peu inopiné comme ça. C'est vrai qu'on avait un peu quitté ce format du on revient sur ce qu'on a fait les semaines précédentes, etc. Mais là, je me suis dit, en plus, c'est un peu de thème avec ce qu'on va développer ensuite sur le sommeil. Ah, t'arrêtes la muscu? C'était. Non, tu vas commencer la muscu. C'est décidé. Résolution de l'année 2024. Non, plus sérieusement, je voulais faire un petit retour sur voilà, le retour sur nos dernières semaines. Enfin, pour le coup. Voilà, comme j'ai dit, la transition sera faite avec le sommeil puisque la semaine dernière, j'ai fait une semaine de déload. Alors, la semaine de déload, c'est toujours un moment un peu important, je pense, dans la vie du gomuscu, de savoir bien le placer. Et je pense que le déload ici va faire complètement écho à ce qu'on va évoquer ensuite sur le sommeil. Alors, sans rentrer trop dans les détails, le déload, c'est vraiment une période où tu prends le temps de lever le pied, on va dire ça comme ça, sur tes entraînements, en allant moins sur tes charges habituelles. Alors, il y a plein de façons de faire le déload, on ne va pas encore une fois rentrer dans les détails du déload, mais c'était juste une semaine à la cool où j'ai pu réduire un petit peu mes charges de travail, me reposer, parce que justement j'avais du sommeil à récupérer, enfin du moins une fatigue accumulée, et ça m'a fait du bien, vraiment du bien. Et toi, tu en avais fait une il y a 2-3 semaines aussi. Ouais, j'en ai fait une entre les deux cycles du programme Prime. Parce que du coup, donc jusqu'ici sur le programme Prime, on avait un focus sur le haut du corps. Et donc là, le focus a changé. Et entre les deux cycles, j'ai fait effectivement une période de déload qui correspondait en plus, elle est bien tombée parce que c'était une phase aussi où j'avais pas mal de boulot, de trucs assez importants à faire. Et du coup, ouais, ça m'a fait du bien et ça m'a mis dans de bonnes conditions pour commencer du coup le deuxième cycle. C'est ça, en fait, l'objectif de cette semaine, alors encore, tout dépend des modalités, hein. Le déload, ça peut être effectué sur quelques jours, ça peut être après sur une semaine, un peu plus si vous en avez besoin. Moi, j'ai trouvé que, enfin, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps quand je fais un déload, c'est une semaine complète où, en fait, je me régénère. J'appelle ça un petit peu la semaine de régénération où. Les premiers jours, le lundi, mardi, je suis content de m'entraîner, ça me fait du bien parce que j'ai moins lourd. Par contre, à partir du milieu de semaine et fin de semaine, putain, j'ai la patate qui revient là, j'ai cette hargne qui revient, ce feu intérieur, cette ardence là qui revient en moi, quoi. On en avait parlé dans le podcast où on a fait un podcast dédié vraiment sur les déloads, C'est ça. etc. Comment les faire, quand les faire, etc. Donc si tu ne l'as pas écouté, bah, je t'invite à aller le faire. Il y avait un point important qu'on avait dit, c'est qu'en fait, un bon déload, c'est quand sur la fin de celui-ci, en général, bah, en fait, tu en as marre du déload et la seule chose que tu as envie de faire, c'est reprendre l'entraînement classique. Justement, tu sens que tu as besoin d'un déload quand potentiellement l'entraînement classique, tu te dis putain, j'y arriverai jamais, t'as pas d'énergie, etc. Comme tu dis là, l'ardeur, entre guillemets, que Ouais, tu la as hargne, ressentie. vraiment, c'est ça. C'est ce côté, vous savez, où il y a cette répétition là en temps normal que vous allez aller chercher sans problème. Et puis, il y a cette répétition où vous avez un peu de fatigue et vous la faites pas. Parce que vous sentez que ça va pas vous faire du bien, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas forcément aussi l'énergie pour bien la faire et donc vous ne la faites pas. Et bien, cette semaine de déload là, elle est là pour vous dire, ok,
Là, cette semaine, tu te reposes. Mais la semaine d'après, tu exploses tout, mon gars. Tu exploses tout. Et la répétition, là, tu voulais faire, t'en feras deux, mon gars. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment une régénération. Il faut imaginer la petite barre de chargement. Vous avez là, le curseur qui est redescendu un petit peu dans la zone rouge. Vous allez recharger la batterie et bim, là, vous êtes full. Full batterie. Et donc là, tu es full batterie en ce moment ? Full batterie, oui. Moi, je trouve que sur les entraînements, je me ressens, enfin, je suis mieux. Par contre, voilà, j'ai toujours un peu de fatigue, mais on va dire que j'ai réussi à la manager. Mais pourquoi tu ne mets pas de poids alors sur les batteries ? Mec, est-ce que tu... on a un beau tableau blanc, vous savez quoi ? On va faire performance Denis, performance Rémi. Et on va faire, voilà, ce qui doit être fait, dire que je suis plus fort sur 95% des exercices. Là où tu es meilleur, c'est OK, sur les extensions mollets, voilà, c'est tout. Mais t'es sûr, ça va te faire mal au cœur, mon frère. Mais tu vas faire une dépression. Non, parce que pour le moment, tant que t'as pas conscience de la réalité, moi, ça je va. Moi, je veux pas dire une chose, c'est quand même que Denis a fait des feats avec des gym crush sur YouTube. Il n'y a pas eu encore avec son bro. Bah non, tu mérites pas, toi. Parce que Denis aurait-il peur de s'entraîner avec son frère ? Mais non, mais c'est pas... Je dis ça. Mais... Je veux dire. Regarde, Amine, tu vas comprendre très simplement. Si je mets en titre de la vidéo « Entraînement avec ma gym crush », c'est sûr que ça va cliquer, ça va faire des vues. Si je mets « Entraînement avec mon bro », mais ce qui va se passer, c'est que déjà d'une, ça va pas faire de vues, et de deux, ça va enclencher une vague de désabonnements. Donc, te pose pas la question, t'as déjà la réponse. Bon, si vous voulez vraiment avoir la certitude que je suis plus fort que Denis, mettez en commentaire « Je veux un entraînement entre bro sur… » L'entraînement que vous voulez. Voilà, vous mettez l'entraînement que vous voulez. Et on verra. Mais quand tu... On va remettre l'église au centre du village, mon petit gars. Et ça va te faire mal au cœur, mon pauvre frère. J'ai peur que tu t'en remettes pas. Vas-y. Ça va te faire mal au cœur. Non, mais tu le sais très bien, je vais faire les épaules tout à l'heure. Tu sais très bien que ton top 7, c'est même pas ma chauffe. Ah oui, alors ça, effectivement, pour le high incline, à part celui-ci, je dis pas. À part celui-ci. Mais tu veux que je commence à faire la liste de toutes les... Si je te Il n'y a qu'un seul moyen de... Octogone, Denis. Non, Galois Gym. C'est pas Octogone, c'est Galois Gym. Bon, en tout cas, c'est effectivement une bonne idée. Si vous voulez qu'on fasse un entraînement ensemble, bah, dites-le en commentaire. Parce que c'est vrai qu'on s'entraîne au même endroit, mais jamais ensemble. C'est vrai que ça, les gens pourraient se poser la question, putain, vous avez une salle de sport, les gars, et vous n'arrivez pas à vous entraîner en même temps. Bah, parce que, mine de rien, effectivement, on a notre salle de sport. On a tellement de contraintes à côté que ça en devient très dur pour... Parce que t'as beau t'entraîner au même endroit qu'une personne, on a créé la salle de sport tous les deux, mais en fait, à côté de ça, on a tellement de contraintes quand Rémi a des obligations... et que moi je pourrais m'entraîner, bah, du coup Rémi a ses obligations. Quand Rémi peut s'entraîner, moi j'ai mes obligations. Et en fait, ça fait que bah, voilà, quand tu as des journées où tu as beaucoup, beaucoup de choses à gérer, bah, en fait, ça en devient dur de finir par s'entraîner ensemble. Et il y a quelques moments où on finit par être ensemble en même temps dans la salle, mais au final, c'est le hasard. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre contrainte, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver au même moment dans la salle. Mais vu qu'on n'a pas le même split, donc déjà on n'a pas le même fit, on n'a pas les mêmes exercices. Et je crois qu'on n'a jamais fait un exo en commun sur une machine. C'est jamais arrivé depuis le début, parce qu'on a fait des séances ensemble, mais on n'a jamais fait. C'est vrai. On n'a jamais tourné en même moment sur la même machine. Ouais, ouais. Donc voilà, ça va être à faire. Mais je pense que honnêtement, il y a peu de chances que ça soit dû au hasard. Je pense que c'est dû à ta propre peur au final. Non, mais aussi, bah, tu vois, j'ai oublié ce que je voulais dire. Putain, mais. Bah voilà, c'est pour me donner raison. C'est pas pour ça, mais voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que quand on s'entraîne, enfin, si on faisait un entraînement à deux, alors ça serait génial, je dis pas, mais on sait qu'au lieu de passer, je sais pas, 1h30, 2h d'entraînement, on en passerait 3, voire 4, tu vois. Et ça, actuellement. Alors, on peut se l'accorder ce temps-là. C'est juste qu'on a beaucoup de choses, d'autres projets, d'autres travail aussi à côté à faire. Et donc, ce n'est pas toujours évident de dédier autant de temps. Et ce que j'ai dit à Denis aussi, c'est que quand je m'entraîne seul, j'ai ce côté un peu focus, tu vois, de me dire, je suis dans mon entraînement, j'ai mon casque et je déroule. Et voilà, je fais mon training, certes solo, mais par contre, il est fait rapidement. Et ça, en ce moment, c'est un peu une denrée rare. Ouais. C'est vrai que... C'est pareil, cette notion de l'entraînement. L'entraînement, en fait, pour moi, maintenant, ça fait partie de mon travail. Je le considère, en fait, comme une partie de mon travail.
Parce que du coup, quand je vais m'entraîner, je vais par exemple filmer des rushs que je vais me servir après dans mes autres vidéos. Je vais tourner des vlogs. En fait, tout ça, ça fait partie du travail. Et c'est vrai que parfois et même souvent, j'aime juste me focaliser sur mes entraînements et profiter, on va dire, de mes entraînements. C'est vrai que sur ma chaîne YouTube, par exemple, là, au moment où on tourne ce podcast, il y a un entraînement jambes qui sort, mais c'est le premier vlog du coup qui sort sur une séance jambes. Et du coup, c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est pas réellement un vlog. Là, du coup, il y avait un caméraman. En plus, ça a été tourné, donc il y avait une date de tournage. Le tournage a été fait, du coup, il y avait un créneau. J'étais particulièrement fatigué ce jour-là. S'il n'y avait pas eu ce tournage, je ne me serais pas entraîné, j'aurais décalé au lendemain par exemple. Surtout que c'était une séance. Bon, ça permet de montrer aussi la réalité des choses. Mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de séance jambes, c'est qu'en fait, les séances jambes, bah putain, c'est. En fait, moi, j'aime ça, tu vois. Et j'aurais du mal aussi à kiffer ça autant. Parce qu'en fait, quand tu dois animer le vlog, gérer la caméra. Vérifier au final que ton micro fonctionne, que tout a toujours de la batterie, etc. Tout ça, en fait, c'est une charge mentale supplémentaire et tu peux pas savourer ton entraînement, en fait, comme tu devrais, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu moins d'entraînement jambes, enfin, qu'il y a moins d'entraînement jambes en proportion. Et c'est C'est pas pas que. que tu t'entraînes moins, c'est qu'il y en a moins que tu partages. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'avec Rémi, bah, mine de rien, on se dit pas trop aussi quand on va s'entraîner parce que au final bah, je sais que voilà moi si j'ai s'il y a un créneau dans le gym où je sais que je vais pouvoir être seul voilà il va pas y avoir de caméra va pas y avoir de juste moi mon entraînement si je filme ça va être uniquement pour checker mes exécutions kiffer et voilà parce que l'entraînement c'est une passion pour moi. C'est avant tout la passion, ouais. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Et même si maintenant j'ai développé la passion de partager ma passion, eh bien, il ne faut pas oublier que cette passion de partager ma passion est née grâce à ma passion de base et qu'il ne faut pas du coup que j'oublie ma première passion. À pas confondre avec le fruit de la passion. La phrase était Passionnante. passionnante. Mais voilà. En tout cas. C'est pour le retour sur ta semaine, t'avais d'autres choses à ajouter ou pas? Non, pas spécialement, parce que comme je l'ai dit, le déload fait partie des outils qu'on a dans notre fameuse caisse à outils, des choses qu'on peut appliquer quand on manque de sommeil, et donc vient le thème du podcast. Effectivement, on va parler du manque de sommeil. Donc. Enfin, le sommeil de manière générale, et surtout que quand on se dit comment optimiser son sommeil, c'est qu'on se pose aussi la question du comment je fais pour l'améliorer parce que je suis cramé. Tu veux commencer? Parce que je connais en fait. Si Rémi commence, il va dire le sommeil, il en faut vraiment beaucoup. Si on n'en a pas, c'est mal. Donc dormez. Et Et fin du podcast. prenez un calculateur sur Internet pour Un calculer votre calculateur dans le temps. sommeil. Non, pas du tout, mais c'est vrai que moi j'aime bien donner tout de suite des éléments un peu factuels et après bien sûr on digresse comme à chaque fois, mais le sommeil. Vas-y, Rémi, dis-nous, tu dors pas bien en ce Le moment? sommeil. Tu veux que je te chante une berceuse? Non. Non, je dors très bien justement. Tu fais des cauchemars parce que t'as pas de mollet? Enfoiré, on a acheté un beau tableau blanc là. Il a écrit pourquoi Rémi n'a pas de mollet. Bien sûr, avant qu'on commence le podcast, j'ai changé le prénom. Même pas Bien vu. sûr, parce que c'est comme ça. Moi, c'est... J'avais pas vu. Voilà, on a un beau tableau blanc, mais Denis, ah si, j'ai vu que tu avais mis des petits formats courts sur. Ah bah je rentabilise le tableau Bien blanc. sûr, bien sûr. Bon, mon frère, parlons du sommeil parce que ça fait genre 20 minutes que le podcast a commencé, on n'a toujours pas parlé du sommeil. Est-ce que tu veux commencer? Si tu veux, bien sûr. Ouais. Vas-y, je Moi, t'en prie j'ai alors. le sommeil, mon deux-deux. Comme je disais, en fait, quand on se pose la question de comment améliorer son sommeil, c'est qu'on est en carence de sommeil. Parce que la personne qui dort bien ne se dit pas comment je fais pour l'améliorer, si tu veux. Donc là, on s'adresse à toutes les personnes qui dorment pas assez ou qui ont l'impression que leur sommeil n'est pas assez récupérateur. Ça se dit, oui, récupérateur. Oui, on récupère. Donc du coup.
C'est un petit peu aussi ce qu'on a vécu et qu'on peut vivre quand on a des semaines un peu intenses, notamment depuis, j'ai envie de dire, même un peu avant, mais depuis que le Galodim est un peu arrivé avec les travaux et tout ce qui s'est un peu enchaîné autour. Alors, je sens que tu as très envie de parler du pratique, mais je pense qu'il faut parler un peu plus du théorique, de la théorie. Dans le sens où, aujourd'hui, tous les pratiquants de muscu savent que si tu veux progresser, il faut bien manger. Si tu veux progresser, il faut bien t'entraîner. Maintenant, là, depuis quelques temps, on met aussi en avant pas mal les steps. Voilà, les gens, ils voient ça comme le triangle magique. Tu sais, c'est step, entraînement, nutrition, bouffe. Ouais. Et c'est très bien. Mais en fait, c'est pas... Le problème de la muscu, et on le voit très bien aussi avec le... Tu sais, la muscu, c'est 80% nutrition, 20% entraînement. Tu vois, en fait, c'est qu'il manque toujours des données. Et la muscu, c'est... Tu peux pas... En fait, c'est ingrat parce qu'il faut que tu aies absolument tout qui soit bien aligné pour que ça fonctionne. C'est ça. Et par exemple, si tu es là, que tu te demandes pourquoi tu progresses pas, alors que tu traques tes calories, comme on le dit dans le podcast... que tu traques ton entraînement, que tu appliques de bonnes méthodes de progression, que tu fais tes steps et que tu te dis « mais putain, je ne progresse pas » alors qu'en fait, actuellement, tu es en train d'écouter ce podcast à 3h du matin et que tu sais que tu vas dormir 4h, bah, ça peut être déjà une des causes. Parce sauf que... si c'est une berceuse pour toi. Ouais, sauf si c'est une berceuse. Mais le sommeil, en fait, c'est également une donnée qui est ultra importante et le manque de sommeil peut avoir énormément de répercussions. Et encore une fois, voilà, il y a beaucoup d'études scientifiques, pardon, dont certaines sont sur le lab, au passage. Hop, tiens, petite dédicace au lab. Et en fait, bah voilà, manquer de sommeil, ça va avoir un effet négatif sur tes hormones. Ton hormone de croissance, ta testostérone. Manquer de sommeil, ça va avoir un impact négatif sur ta récupération, récupération nerveuse principalement, parce que c'est là où eh bien, tu vas régénérer également cette partie-là. Manquer de sommeil, ça va avoir un impact négatif aussi sur tes sensations alimentaires, parce que ça va jouer sur la gréline et la leptine, donc qui sont les hormones qui régulent la satiété, qui régulent la faim. Manquer de sommeil, ça va également avoir un impact négatif sur ta composition corporelle. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur des personnes qui étaient en déficit calorique et du coup, il s'est avéré que les personnes qui, au final, donc je te résume l'étude rapidement, situation de déficit calorique, un groupe privé de sommeil et un groupe qui n'est pas privé de sommeil. À la fin de l'étude, les deux groupes ont perdu le même nombre de poids, donc environ 5 kilos. Alors, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est pour que tu comprennes et pour imager les choses. Et en fait, il s'est avéré que sur les personnes qui étaient restreintes au niveau du sommeil, eh bien, il y avait une perte de 3 kilos de muscles et 2 kilos de graisse. Et pour le groupe qui avait bien dormi, eh bien, il y avait une perte de 4 kilos de graisse et 1 kilo de muscles. Voilà, en gros, c'est des chiffres qui sortent de mon cul, mais c'est pour t'imaginer. Et que du coup, bah, forcément, quand tu es privé de sommeil, ça a également un impact sur ta composition corporelle et surtout lorsque tu es en déficit calorique. Bref, la liste est encore super longue de tous les effets négatifs que va t'apporter le manque de sommeil. Mais en fait, si ton corps... dormir, c'est un besoin, tout comme manger. Et si tu fais attention à ce que tu manges pour ta progression... en fait, c'est complètement con de ne pas faire la même chose pour ton sommeil. On va reparler, honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil. C'est, je pense, un podcast qui va durer assez longtemps. Et au final, manquer de sommeil, en résumé, ça pue du cul. C'est ça. Après, il y a le manquer de sommeil et manquer de sommeil. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas parce que tu vas pas bien dormir pendant 1, 2, 3 jours que tu vas manquer de sommeil. C'est vraiment comme une bombe à retardement. C'est quand tu vas accumuler beaucoup de... Enfin, tu vas avoir un déficit de sommeil sur plusieurs semaines, mois. Et c'est là où, du coup, tu vas vraiment commencer à sentir les répercussions. Je ne dis pas que tu ne les sens pas quand tu ne dors pas 2-3 nuits d'affilée. Hein. Je veux dire, quand tu es bien malade ou un truc comme ça, tu es cassé, mais c'est parce que tu as aussi d'autres choses qui rentrent en compte. Là, on parle vraiment de cette accumulation de carences de sommeil. Et comme je l'ai dit, bombe à retardement, ça veut dire que tu peux faire une petite nuit et tout exploser le lendemain à la salle.
C'est déjà arrivé. Et puis ça, je suis sûr que les personnes qui nous écoutent ont déjà passé une nuit de merde et se sont dit, putain, le lendemain, mais comment je vais faire pour défoncer mon entraînement? Et finalement, vous y arrivez super bien. Mais paradoxalement, c'est que ça n'agit jamais vraiment directement, immédiatement. Ça va toujours être un contre-coup que vous allez avoir et le sentir, donc la carence, hein, la sentir sur plusieurs jours après si vous n'avez pas rétabli l'ordre de votre garantie de sommeil. En gros, que passer en tout ce seuil, vous êtes en déficit. Ouais. Pour continuer du coup dans la théorie, donc comme je disais, manquer de sommeil, ça pue du cul. Bien sûr, bah, si tu dors correctement, tu vas avoir l'inverse qui va se passer de tout ce que j'ai dit précédemment. Et comme l'a dit Rémi, et il me semble que j'en avais déjà parlé également dans un podcast précédent, en fait, le manque de sommeil, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. La carence de sommeil, c'est quelque chose qui s'accumule dans le temps, un peu comme une dette, comme dit Rémi. Ouais. Et c'est également une dette qui peut être remboursée rapidement. C'est-à-dire que tu peux très bien accumuler une dette de sommeil sur une semaine et la rembourser le week-end en dormant correctement. Tu vois, et après repartir correctement. C'est ça, parce qu'on a l'idée du schéma calorique, du total calorique. Ben, on peut dire exactement la même chose en transposant ça au sommeil. Vous avez un total d'heures de sommeil, en gros, et bah, vous pouvez être en déficit de sommeil ou en surplus de sommeil, si on peut dire ça comme ça. C'est pas… Non, mais c'est pour imaginer encore une fois le truc. Ouais, parce que autant au niveau des calories, ça peut être une bonne stratégie d'avoir des jours plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Ah, mais bien sûr. Autant au niveau du sommeil, faites pas les cons. Mais non, il n'y a pas de… En fait, le sommeil, c'est le seul truc où vraiment tu peux y aller, il faut chercher à en avoir le maximum possible. C'est-à-dire que… La muscu, c'est ultra compliqué. Enfin, c'est ultra compliqué. Je veux dire, tu es tout le temps en train de chercher l'équilibre parfait entre l'intensité et le volume. Est-ce que du coup, tu dois aller au maximum de l'intensité, au maximum du volume? Pareil, tes calories. Est-ce que tu dois aller au max des calories? Tu as toujours des calculs à la con à faire. Le sommeil, c'est vraiment le seul truc où tu n'as pas à te prendre la tête. Genre, juste dors le plus possible que tu peux. Ouais. Et tout se passera bien. C'est-à-dire, voilà, prends. Enfin, quand tu dors. Tu ne poses pas la question du « vas-y, c'est 7 heures de sommeil et pas plus » ou « c'est 7 heures et pas moins ». Tu dors et tu vois comment tu es naturellement. C'est ça. C'est-à-dire que si toi, il te faut 8 heures, bah, il te faut 8 heures. Un autre individu aura besoin de 10 heures. Un autre individu aura besoin de moins. Enfin, tout ça, en fait, c'est avant tout personnel. Et ça, il n'y a que par l'expérience que vous allez pouvoir le déterminer. Ouais. Mais surtout que les besoins en sommeil, tout comme les besoins en calories, vont varier. C'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que en fonction de ce que tu vas faire sur tes journées, eh bien, elles vont être plus ou moins fatigantes. Exemple, si tu passes ta journée à faire du bois, je sais pas si c'est cet exemple qui m'est venu là, parce que je crois que c'est l'une des premières fois où je me suis senti vraiment fatigué, c'est quand j'avais passé la journée à faire du bois avec le daron. Et là, voilà, tu vas accumuler un besoin de sommeil ultra important. Si tu passes ta journée à regarder la télé en bouffant les chips, crois-moi, ta demande en termes de sommeil, elle va être différente. Donc forcément, il y a des jours où tu auras besoin de plus, il y a des jours où tu auras besoin de moins, et ça va forcément voilà, fluctuer en fonction de ce que tu fais. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir un environnement dans lequel bah, il y a le plus de choses qui sont stables, comme ça, tu peux être sûr que tes besoins en termes de sommeil vont également, eux, être toujours plus ou moins stables. En gros, soit tu fais du bois tous les jours, soit tu n'en fais pas. C'est ça que je voulais te dire, si tu veux avoir un environnement stable. Exactement. Ok. Donc, il faut dire quoi? Faites du bois, faites pas de bois. Soyez suffisamment actif, mais pas forcément en faisant du bois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, je pense qu'on a établi un peu la théorie. Maintenant, ce qui peut être assez intéressant, c'est peut-être, et ça, ça va être assez compliqué au final, j'essaye de structurer le podcast. Hein. Ouais. Parce que sinon, je sais que ça va partir en couille. Mais ce serait comment on sait quand on a une carence de sommeil? Oui, 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 on peut. Alors, en revenant un petit peu sur la théorie, parce que on n'a pas, enfin oui, on n'a pas parlé du cycle circadien de ce côté où en fait vous devez être quelque part calibré sur bah, votre nuit pour essayer d'avoir du coup tous les bénéfices d'une bonne nuit de sommeil. Ce qu'on dit toujours hein, pour bien le calibrer, c'est de s'endormir à
une heure régulière et de se coucher. Alors, ça viendra plus tard dans le podcast. Ça viendra plus tard. Ouais, parce que là, du coup, c'est pas. C'est un peu de la théorie. C'est pour dire qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et bon, là, effectivement, je donne des éléments. Je pense que ça sera plus dans les conseils pour améliorer son sommeil. J'ai un tout petit peu spoil alors. Là, je pense, comme je te dis, c'est. Quels sont selon toi les signes que l'on manque de sommeil? Comment on sait quand le problème, c'est le sommeil et pas autre chose? Ok. En fait, je prends un exemple pour expliquer un peu mon point de vue. C'est que j'ai certaines personnes qui vont accuser leur sommeil, par exemple, qui vont dire « Putain, je me sens ultra fatigué, j'arrive pas à progresser, c'est à cause du sommeil. » Alors certes, tu vois, la personne ne va pas avoir un sommeil qui est de top qualité, peut-être un peu irrégulier, etc. Mais on va dire que son problème majeur, ce n'est pas forcément son sommeil, c'est juste que la personne elle a un entraînement où elle va faire 14 fois trop de séries, elle va pas elle va faire les pecs 4 fois dans la semaine, elle va se dire « putain, je ne progresse pas à cause de mon sommeil », alors qu'elle passe son temps à faire des max au développé couché avec une technique de merde et qu'elle ne récupère pas suffisamment. En gros, c'est son problème, c'est le stimulus qu'elle impose et pas forcément son sommeil. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, on accuse son sommeil à tort, alors que ce n'est pas forcément ça le problème. Ok. Alors, comment déterminer quelque part, en fait… Comment être sûr à 100% que c'est le sommeil qui pose le problème? C'est multifactoriel de ouf parce que, tu l'as dit, ça peut être un défaut à l'entraînement. Un défaut dans le sens où tu es moins performant, tu sens que tu as moins de patates, que tu n'arrives pas à progresser comme tu veux, mais ça va être en lien aussi avec… moins de sommeil, c'est-à-dire que ton quota que tu as expérimenté et tu sais que ton heure de sommeil, ça correspond, je sais pas, à 8 heures, si tu sais que tu as fait plus d'une semaine en étant, je sais pas, 6 heures de sommeil, la corrélation fait que si tu as dormi moins, tu vas être sans doute moins performant à l'entraînement. Et si tu observes que tu es moins performant à l'entraînement, là, tu peux faire peut-être un lien plus direct avec ton manque de sommeil directement. En fait, tu as… T'as emmené la discussion indirectement là où je voulais l'emmener, c'est qu'au final, savoir qu'on manque de sommeil, c'est très compliqué si on ne le traque pas et on ne le compte pas. Yes. C'est ça en fait qui est ultra important parce que moi, je le vois bien, c'est très simple. Tu peux te sentir fatigué sans l'être. Moi, je traque mon sommeil depuis je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps. J'ai la Oura en plus qui le fait très bien, qui me donne des scores de sommeil. Par rapport à ça, on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Ça viendra plus tard aussi, je pense. Elle me donne des scores de sommeil. Elle me dit si j'ai bien dormi, si j'ai pas bien dormi, etc. Et parfois, je fais des nuits où j'ai 9 heures de sommeil réel. Et le matin, en mangeant mon petit-déj, je vais bâiller. Parfois, je vais travailler, je vais me sentir fatigué d'un coup. Mais en fait, je ne le suis pas. Tu vois, le soir, je vais arriver sur ma séance, je vais tout péter. C'est juste que à ce moment-là, j'ai un coup de mou parce que peut-être j'ai une digestion qui me prend beaucoup de temps. Peut-être parce que en fait, je me réveille, j'ai la tête dans le cul, quoi. Ça peut arriver. C'est tout. Mais parfois, en fait, on peut se sentir fatigué sans l'être. Et à l'inverse, on peut ne pas se sentir fatigué tout en l'étant. C'est ça. Ouais. Et on peut faire un comparatif avec Rémi. Sur la période où on était beaucoup dans les travaux avec le gym, etc. Niveau sommeil, c'était catastrophe. On a fait plusieurs nuits blanches, on peut le dire. On a fait plusieurs nuits où on a… Très courte, pas de nuit blanche parce que… Moi, j'en ai fait. Il y en a une qui a été violente. J'en ai au moins deux là au compteur. Et, Tu t'en rappelles, attends, on peut quand même parler un petit peu. Juste d'une nuit blanche avec les fucking travaux là. Attends, mais juste pour dire que au final, donc j'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai fait un petit tour d'horloge bien sympa. Les journées, elles paraissent super longues. Ah là, t'es actif là, tu peux. Et pourtant, c'est pas pour ça que je ressentais un niveau de fatigue plus important que d'habitude. Alors bien sûr, quand tu fais ce genre de choses, t'as des relais hormonaux qui se mettent en place, t'as des sécrétions d'adrénaline qui fait que tu le sens pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que même après ça, les jours qui ont suivi. Parce que il y a une période où vraiment en l'espace de 3 semaines et 3 semaines où il y a eu il y a eu les 2 nuits blanches pour ma part plus j'avais en moyenne 4 à 5 heures de sommeil par nuit tellement la charge de boulot et c'est pas pour ça que je ressentais la fatigue parce que j'étais toujours stimulé. C'est ça, c'est parce que tu avais cette fameuse adrénaline. J'étais, mais surtout en fait j'avais toujours un truc à penser, ce qui fait que
Bah en fait, il n'y avait aucun de ma moment de ma putain de journée où j'avais le temps de me dire « Oh tiens, je suis fatigué ouais. !» Parce qu'en fait, j'étais toujours occupé. Mmh. Et effectivement, parfois, tu peux te sentir fatigué alors que tu ne l'es pas, parce que c'est juste que, à ce moment-là, tu ne fais pas grand-chose et que du coup, tu te sens un peu fatigué, quoi. En fait, c'est juste que tu as le temps de te poser la question. Et c'est ça qui fait que du coup tu peux ressentir la fatigue. Maintenant, vas-y mon frère, parle des travaux, on va raconter l'anecdote. Non, mais parce que effectivement, on a vécu ça, mais comme l'a dit Denis, en fait, tu le sens pas sur le moment parce que t'as pas le choix, il faut faire. Donc, notamment avec les travaux, la cuisine dans laquelle on tourne là devait être installée un lundi. Ouais. Donc notre artisan pour monter la cuisine se pointe le lundi matin. Nous dit, les gars. On va mettre un peu plus de contexte. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent à quel point c'était pas un moment facile. quand on a pris le gym pour faciliter les travaux, et puis. Parce tu veux remonter encore beaucoup la genèse. De choses. Depuis novembre, je vis dans la salle. Voilà, c'est simple. Je suis arrivé, première chose que j'ai fait, j'ai foutu mon putain de lit et voilà. T'as pris une box de squat pour faire ta table. T'as pris une poubelle à l'envers pour faire ta chaise. Voilà. Un frigo. Non, il n'est pas venu tout de suite. Au départ, il y avait boîte de conserve. J'ai pas de frigo. Voilà, c'était des conditions de vie que je ne souhaite à personne. Pas de sanitaire, pas de chauffage. Il allait chier à Caston. C'est venu spontanément. C'est vrai que, bah, du coup, pas de chiottes. Donc, j'avais deux solutions. C'était soit Casto, soit les buissons. Soit chez Rémi. Vous vous en doutez bien, moi, je voulais pas qu'ils viennent chez moi. Ouais. En vrai, c'était... Voilà, imagine... Parce que, en vrai, ça, c'est intéressant aussi. Putain, on est partout tous les sens. Non, mais ça peut être un parallèle intéressant. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent... Ouais, mais toi, t'as trop de la chance. Alors déjà, il y a chance. T'as trop de la chance, mec. Ta vie, c'est juste t'entraîner. C'est tout ce que t'as à faire. En fait, ils idéalisent ma vie sans la connaître, tu vois. Mais on l'en veut pas parce que... Je l'en veux pas, mais... Parce que c'est aussi ce qu'on pourrait se dire avant de le vivre. Tu vois. Exactement. Mais aujourd'hui, tu vois un mec... Parce que je sais même pas combien j'ai de personnes qui me suivent, par exemple, sur Insta, mais un nombre assez conséquent. Et les gens me classent dans la catégorie influenceur, même si j'aime pas ça. Et forcément, quand tu as un nombre élevé de personnes qui te suivent, eh bien, les gens tout de suite disent « Ok, lui, il gagne beaucoup d'argent. Lui, il a une vie de rêve. Lui, les gars, c'est pas ça. C'est pas du tout réalité. C'est pas du tout ça, la réalité. Genre, moi, j'ai pas une Ferrari, j'ai une AX. Bon, même si je préférerais toujours mon AX à une Ferrari. Mais… moi, les mecs, j'ai vécu dans des conditions que personne, honnêtement, une minorité de personnes aurait En fait, les trois premiers jours, c'était à peu près rigolo parce que. C'est ça, mais mec, en fait, tu fais. Après, c'est que ça a duré. Tu fais du putain de camping, quoi. Tu fais du putain de camping, mais c'est pas le camping où t'es en bord de mer et il fait chaud et c'est rigolo. Non, là, mec, c'est du putain de camping. T'as travaillé toute la journée, le seul truc que tu veux le soir, c'est dormir. Tu dors, tu cailles le cul, mec. Tu te pèles le cul. Mmh. T'as envie de chier, t'as envie de pisser, mais mec, mais c'est. Tu dois sortir dehors, mais t'as envie de sortir dehors quand il fait moins 15 degrés, mec. Ma bite, elle voulait pas sortir. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fais? Range-moi, je veux pas sortir. Non, mais. Et tu mets ça à des conditions pour manger. Mais pour manger, honnêtement, je suis resté peut-être 2 mois sans manger un putain de repas chaud. Tu te souviens? Ouais. On a de la famille qui est venue, on a été au Grilline. Ouais. Le Grilline, c'est un resto à volonté. J'ai mangé que des plats chauds parce que j'ai ressenti un putain de manque. J'ai vraiment. Jusqu'ici, en fait, c'est très simple. Jusqu'ici, je suis un mec, je me disais tout le temps. Je déteste manger chaud. Il faut toujours que ça soit froid. Parce que quand c'est chaud, j'aime pas, c'est désagréable. Je disais tout le temps, j'aime pas la chaleur. Parce que je suis quelqu'un qui transpire assez rapidement, qui suis assez sensible à la chaleur. Jusqu'ici, voilà. En fait, j'avais jamais. Même dans les endroits où j'habitais avant, en fait, c'était souvent du chauffage collectif.
dans des résidences de vieux. Donc, même en fait, l'hiver, je dormais avec les fenêtres ouvertes. En fait, j'avais jamais vraiment connu cette sensation de froid intense. En fait, voilà, j'étais habitué à mon confort de vie. Ouais, après. Et ça, du coup, ça m'a, honnêtement, cette période dans le gym, sans rien, sans confort, mais vraiment sans aucun putain de confort, ça m'a fait la bite et ça m'a appris la vie. Et on va revenir sur la cuisine parce qu'on s'éloigne. Juste ouais, parce que les gens peuvent se dire, mais pourquoi t'as pas été dormir chez Rémi ? Alors, j'ai bien sûr proposé à Denis, mais sauf que Denis a toute sa vie aussi à traîner, donc il a tout son setup, ses ordi. Ouais, c'était compliqué de déménager Denis, sachant que moi, où je suis, c'est pas très grand et je pouvais pas accueillir Denis. Et surtout en plus ça, de ça… Ça n'a jamais été une possibilité parce que, en fait, il faut savoir que du coup, par rapport au gym, le fait que je sois sur place… C'est ça. Parce que voilà, on recevait, il y avait des livraisons, il y avait des gens qui venaient, il fallait quelqu'un sur place et il fallait que quelqu'un soit sur place tôt. Et comme l'a dit Rémi, en fait, pour des soucis d'optimisation, voilà. Ouais. Parce qu'il fallait à côté que je continue de gérer mes coachings. Et les gars, ça fait combien de temps que je poste une à deux vidéos par jour sur Insta, TikTok ? Les gens ne le voient pas, mais une vidéo, c'est minimum 3 heures de travail pour moi. Yes. La plus courte vidéo, c'est 3 heures de travail. J'en fais une par jour. Donc, ça veut dire que, en gros, je ne pouvais pas aller chez Rémi parce que j'étais obligé aussi de tenir la cadence. Et à aucun putain de moment, je me suis dit… Je vais arrêter. Ouais. On a stoppé déjà le podcast parce que tout n'était pas possible. Mais j'avais également besoin de rester dans cette boucle de… il faut… En fait, c'est bien quand tu as un truc qui te drive. Mais c'est la routine. Et ça viendra aussi avec le sommeil hein, quand on donnera des tips. Mais et voilà. Mais du coup, pour recentrer par rapport à la cuisine, parce qu'on était parti sur cette anecdote… Parce qu'il y a aussi un deuxième point, c'est qu'on pensait aussi que ça allait aller plus vite que ça, notamment parce que les travaux qu'on avait prévu de faire dans le gym, on pensait qu'ils allaient beaucoup plus vite et qu'on allait vite pouvoir avoir accès à un peu plus de confort. Donc, on n'avait pas aussi mis… toute cette projection aussi lointaine qu'elle était en fait quand on a décidé de lancer le camping ici quoi, pour toi. C'est pas grave. De toute façon, je savais quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit c'est une aventure et je l'ai déjà dit, je crois. Non, il était peut-être pas sorti ce podcast, mais je vois ma vie comme une aventure. C'est cette période sans confort. C'est vraiment une période où j'ai beaucoup appris sur moi-même. Yes. Et ça m'a, honnêtement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait la bite. Mais j'avais besoin de me faire la bite. Voilà, c'est ça la moralité. Mais je veux recentrer parce que on reparlera plus en détail dans la vidéo dédiée au gym. Voilà, ça sera un truc très construit. Mais voilà, juste pour recentrer, donc, on vous l'a mais dit, en la gros, belle cuisine où on est là. Attends, parce que c'est ça le truc. C'est que aussi, ma cuisine à moi, c'était donc dans le couloir… Avec, un frigo prêté et une box de voilà, spot. À ce moment-là, j'avais réussi à avoir un frigo. Et ma table, c'était une box de CrossFit. Et ma chaise, c'était une poubelle. Mais en fait, voilà, ça prenait tout l'espace d'un putain de couloir. Le couloir pour aller jusqu'à mon bureau. Donc, la nuit, quand tu te lèves pour pisser, tu tapais le frigo. J'ai des rushs. Oh, c'était vraiment genre pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un. Et ça a duré longtemps, ça a vraiment duré longtemps. Bah, et donc, ouais. Ce jour-là, ce putain de jour-là, ce lundi en question, il y a du coup le mec qui arrive pour poser la cuisine. Il s'appelait Rémi, enfin ouais. Il s'appelle toujours Rémi, dédicace ouais. À lui s'il écoute le podcast. Je ne pense pas qu'il écoute, mais… Tous les Rémi, c'est des bons gars de toute façon. C'est vraiment un bon gars, c'est vraiment un amour, il est super cool. Et je me dis, putain les gars, c'est bon. Oh là là, fini le couloir. Mais fini le putain de couloir. Et là, en fait, c'est très simple ce qui s'est passé. Il arrive. Il arrive. Genre, moi, j'étais… Mais j'avais un smile, mon gars. J'avais quasiment pas dormi de la nuit. J'étais aux anges. Vraiment, je m'imaginais déjà en train de me faire cuire un petit foie de veau dans ma poêle, là, avec, en fait, juste manger chaud, tu vois. Il avait… À la base, c'était, voilà, ta cuisine, enfin, la cuisine, là, du Galois Gym, votre cuisine, les gars, elle est faite en 2 jours. C'est-à-dire que lundi, je commence… Mardi, il devait finir mercredi. Ouais, mardi, elle est finie montée mercredi, je fais les petites finitions en gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, avec Denis, vous imaginez, il sort d'une période un peu chaotique. Et là, il voit en fait Rémi, l'artisan, comme le messie, quoi. Oh, putain, c'est lui qui va faire la cuisine. Je me souviens très bien ce que je lui ai dit.
Je lui dis, Rémi, pour moi, t'es le Père Noël. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, c'était, dans le, c'était la décembre, ouais, c'était, en décembre, début janvier. C'était début janvier, le 18 janvier. Je me souviens. Donc, il arrive au gym. Et il commence un petit peu à regarder un petit peu la cuisine, comment c'est branlé et tout. C'est même pas ça le pire. C'est, genre, je lui dis, voilà, Rémi, il y a ça, c'est comme ça. Moi, j'avais des rendez-vous ce matin-là. Donc, je fais mes rendez-vous. Et je sors de mes rendez-vous. Et je vois, il est arrivé voilà, avec un sourire de Père Noël, on va dire. Et je finis mes rendez-vous, je vais le voir. Et je vois, il n'a plus du tout le sourire du Père Noël. Et je check le micro. C'est tout bon, ça record encore. C'est tout bon aussi, ouais. Et il n'a plus du tout son sourire de Père Noël. Et en fait, il m'explique clairement par A plus B que... il n'y a pas ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on avait fait appel à un artisan qui, du coup, devait nous faire les arrivées d'eau, les arrivées électriques, tout en fait. Voilà, les évacuations, toutes les gaines, tout nous protéger, mettre la cloison parce qu'il y a un bar aussi pour séparer l'entrée de la cuisine. Tout ça, on l'avait délégué à un artisan et en fait, pour bah, justement gagner du temps. Et en fait, on n'avait rien vérifié parce qu'on s'est dit « Ok, c'est l'artisan. » café, etc. On lui a donné les plans techniques. On lui a donné les plans. Parce qu'on lui a pas dit, tiens, fais comme ci, fais comme ça. Non, il y avait des plans techniques pour accueillir la cuisine. Donc, ouais. On lui a dit, t'as juste à suivre le plan, mon gars. C'est aussi simple que ça. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'y avait rien. En fait, il y avait... rien n'était fait correctement. Il n'y avait rien. Il fallait genre 8 prises. Il y en avait une. Il fallait du coup 3 arrivées d'eau. Non, il fallait 2 arrivées d'eau. Il n'y en avait qu'une. Il fallait 2 évacuations d'eau. Il n'y en avait qu'une. La prise pour... C'était pas au bon endroit aussi, voilà. Par rapport au meuble. C'est ça. En fait, il n'y avait rien qu'il fallait. Et en plus de ça, par rapport au... Bon, les gars, ça va un peu dans les détails techniques. Mais en gros, par rapport à certains... par exemple, le four doit avoir une ligne dédiée. Donc, en fait, il fallait tirer des lignes jusqu'au compteur. Enfin, d'un point de vue de l'élec, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et en fait, le mec, donc Rémi, qui devait poser la cuisine... Il me dit, c'est simple, je ne peux pas poser la cuisine. Il dit, je ne peux pas. C'est pas, je peux essayer, c'est je ne peux pas. C'est je ne peux pas. Il dit, en fait, c'est très simple, je ne peux même pas mettre un meuble parce qu'il n'y a rien qui est au bon endroit. Il n'y a rien qui est au bon endroit. Et genre là, en fait, c'est très simple ce qui s'est passé. Il est parti. Denis m'a appelé. J'ai appelé Rémi. Et on va dire que... il y a eu 15 minutes de « Putain, ça fait chier, merde !» On a gueulé, on s'est dit « Il n'y a pas de... » Enfin, ça fait chier. Et il y a après, deux choix possibles. Soit on continue de se plaindre. Et après, voilà. Et après, soit... il y a eu le moment où on s'est dit « Bon, il faut qu'on trouve une putain de solution pour faire avancer les choses. » Et en fait, Rémi, je lui avais dit « Mais si j'arrive à trouver un artisan, est-ce que tu penses que si tu reviens demain, tu pourras finir les travaux ?» Il me dit, honnêtement, je ne pense pas. Il me dit, même si tu trouves un artisan, il me dit, il y en a au moins pour 4 à 5 jours de travaux. Il a dit, il y a quand même beaucoup de taf. Et ouais. En plus de ça, pour trouver un artisan comme ça sur le pouce rapido, c'est chaud. C'était compliqué. Parce que, comme on le répète, il n'y avait pas suffisamment d'évacuation d'eau. Il n'y avait pas suffisamment d'arrivée électrique. Il fallait tirer plusieurs lignes jusqu'au compteur. Il fallait rajouter du coup des disjoncteurs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et... avec Rémi, je me souviens très bien, on s'est dit, ok, tu sais quoi, il y a 4 jours de boulot, on va le faire en une nuit. Et c'est très simple, j'ai dit, j'en ai rien à foutre, je ne dors pas, je rappelle le cuisiniste, je rappelle Rémi, je lui dis, écoute, Rémi, c'est très simple, demain, à 8 heures, ça sera fait. Voilà, donc demain, le mardi, tout sera ok, tu pourras venir et avec le même sourire, exactement. Monter la cuisine. Surtout que ça, je lui ai dit, je l'ai appelé genre, je lui ai dit à 17h. Et il me dit, qui c'est qui va faire les travaux? Je dis, moi. Nous, ouais. J'étais au téléphone, je dis, moi. Mmh. Et je pense que c'est à ce moment-là, qu'il a compris qu'on était des baisers. Des grands malades, ouais. Et en fait, c'est très simple. Ce qui s'en est suivi, c'est que on a du coup, donc vous avez déjà peut-être vu sur les vidéos, il y a certaines personnes qui viennent déjà au Galois Gym. Les personnes qui viennent actuellement, qui s'entraînent, c'est les personnes qui nous ont aidés dans ce projet, tout simplement. Réception des machines, plomberie, électricité, etc.
Et du coup, parmi ces personnes-là, il y a Anthony et Maxime. Celui, enfin ceux qui ont le camtar du Seigneur. Ceux qui nous prêtent le camtar. Et eux également s'y connaissent très très bien en élec, en travaux, etc. Et Anthony travaille de nuit et il s'y connaît très bien en électricité. Et en fait, c'est très simple. On a passé toute la putain de nuit à faire tout ce qui était arrivée électrique, tout ce qui était évacuation, tout ce qui était... En fait, on a tout fait. On a tout fait jusqu'à... c'est très simple. À 7h du mat, c'était terminé. Je me souviens très bien que... c'était ça. 7h du mat, c'était terminé. Alors, il faut savoir que Anthony n'était pas avec nous en présentiel. Hein. Anthony, lui, bossait de nuit parce qu'il bosse sur les 3-8. Il était en visio avec nous ou au téléphone pour nous dire « Les gars, il faut mettre ça comme ça, comme ça. » Parce que faut dire aussi une chose, c'est que certes, on est débrouillard, on sait faire des choses, mais quand on touche de la plomberie, quand on touche de l'EDEC et qu'on n'est pas du métier, on va quand même s'assurer qu'on fait les choses bien. Donc, on a appris. Grâce à Anthony, on a pu faire et après tester. De toute façon, lui, il nous a donné les grandes lignes. On a fait. C'était du travail, mais on l'a fait. Et tout était bon. Tout était bon. Tout était bon. Je peux vous dire que le matin... Quand on a juste vérifié si au niveau de l'eau, il n'y avait pas de fuite et tout. Quand on a allumé pour voir si ça ne fuyait pas. Putain, je vous jure que les gars, j'avais un caleçon blanc, il était plus blanc après. Hein. Non, honnêtement, c'est vrai, hein, t'as un stress. Ouais. T'as un stress de ouf quand on a testé les prises. Quand on a testé les prises, je me souviens. D'ailleurs, j'ai un rush vidéo. Tu vas dire que c'est pas vrai, mais. Voilà. C'est pour ma gueule, vous êtes prêts? Les deux seules prises qui marchaient pas, c'était celles que Rémi avait montées. Voilà, il fallait que ça vienne tirer sur moi. Alors, faut dire que. Non, on s'en fout. Non, mais pour dire que quand on fait des branchements, quand on manipule les fils, etc., ça peut parfois. On parlait pas du sommeil à la base. Donc, bref, tout ça pour dire que. On finit enfin de faire tous les prérequis pour installer la cuisine. Et donc là, Rémi, on dit c'est bon, putain. Là, moi, je vois mon foie de veau. Je vois mon foie de veau là qui revient. À nouveau, tu sais. Ça sortait le foie de veau dans la cuisine. Je me dis c'est bon. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rémi, du coup, est revenu. Et en fait, il est revenu genre à 9h, 10h, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Ouais. Et en fait, il a dit les gars, tout est parfait. Vous êtes des grands malades. C'est ça, il nous a dit. Franchement, quand tu me l'as dit, Denis, au téléphone la veille, j'y croyais pas. J'ai dit, putain, les mecs, ils sont complètement jobards ou ils vont faire des trucs dégueulasses bien, ou ils vont pas le faire. Ce jour-là, on a même le patron, donc c'est Cuisinella qui a installé notre cuisine. Et on a le patron de Cuisinella qui est venu voir. Par lui-même, parce que du coup, le cuisiniste lui a dit j'ai pas pu poser la cuisine, mais ils ont fait tous les branchements. Et il est venu lui-même voir si c'était vrai. Non, mais encore une fois, c'est normal si tu bosses toute la nuit, tu t'en fais du boulot, c'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est que nous, on voulait cette cuisine, on voulait qu'elle soit montée. Et donc, fin de l'histoire, il a pas pu poser la cuisine et il est revenu la poser du coup qu'en février. Et. C'est et du décalé, coup. Ouais. Là, vraiment, ça a été un moment où, quand il a dit ces mots, genre juste, je ne peux pas la poser. Il me faut plus de temps. Et là, on a déjà bouffé un jour. Il me faut plus de temps. Il dit en plus, le temps, il me dit, ce n'est pas 3 jours qu'il me faut, c'est 4. Je crois que c'était 2 et il a dit, il m'en faut 3. Enfin bref. Mmh. Et du coup, je suis resté un mois supplémentaire à bouffer dans le couloir. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'on a perdu cette nuit-là beaucoup de sommeil. Mais par contre, encore une fois, ça nous a créé des souvenirs de malades. Mmh. Et ça nous a montré encore une fois qu'avec de la déter, et puis surtout quand tu sais ce que tu veux, tu y arrives. Tu y arrives très clairement. Ouais. Et puis surtout, on a développé des skills en plomberie et en élec. Ça, c'est vrai que c'est... Mais c'est cool parce que, encore une fois, c'est aussi ce qu'on aime, c'est apprendre des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et se retrouver dans cette position où tu ne sais pas faire, mais tu te débrouilles. Enfin, tu te débrouilles intelligemment. Il ne s'agit pas de faire les choses à la mano, mais... On a fait les choses hyper proprement. Hein. Enfin, je veux dire. Non, et tout, en fait, tout fonctionne nickel. Hein. Depuis depuis février, la cuisine est là. Fonctionnel. Et Denis mange des repas chauds. Et Denis n'a plus besoin de manger sur sa box de CrossFit. Bref, on en arrivait là pour dire qu'on avait eu une nuit de sommeil, mais
Ça, il y en a eu d'autres, des péripéties. On en parlera dans la grande vidéo YouTube. Mais en fait, voilà, je crois que le point de départ de tout ça, c'était que on n'avait pas, enfin, malgré du coup cette nuit blanche, c'est ça. Surtout que les jours d'après ont été également riches en travaux, ont été très fatigants, etc. Et avec assez peu d'heures de sommeil. Mais c'est pas pour ça que à ce moment-là. Ouais. Je ressentais un manque de sommeil, alors que pourtant, j'en avais clairement un. Donc, c'était pour ça que... parce qu'on c'était parti de là à la base. Oui, parce c'était que parfois, tu peux manquer de sommeil et ne pas le sentir. Et à l'inverse, parfois, tu peux ne pas en manquer et te sentir fatigué. Et donc, ça revenait sur le fait que c'était très difficile de distinguer la carence en sommeil d'une flemme. Parce que se dire « je suis fatigué » et donc... s'en servir comme une excuse pour contre-performer à l'entraînement, c'est aussi ce qu'on peut entendre. Donc, il faut bien distinguer le vrai manque de sommeil et le « vas-y, je vais prétexter que je suis cramé » et ça, tout le monde peut être fatigué pour faire une mauvaise séance. Donc voilà, il y a aussi deux choses à bien distinguer là-dedans. Parce que c'est vrai que parfois en fait, j'ai certains de mes suivis qui me disent « putain, j'ai dormi 6 heures cette nuit au lieu de 8 ». Je me sens fatigué, je vais faire une séance de merde, etc. Et au final, la conséquence, c'est qu'ils font une séance de merde. Mais pourquoi ils font une séance de merde? C'est à cause de leur façon de penser, entre guillemets, parce qu'ils se disent « j'ai pas bien dormi », alors qu'en fait, ils ont juste commencé à accumuler une toute petite dette du sommeil, de rien du tout. Donc, on peut pas dire que leur carence de sommeil est énorme et... entre guillemets, s'ils n'avaient pas dit « j'ai que 6 heures de sommeil, j'ai mal dormi », leur séance se serait très bien passée. Mais en fait, ils se persuadent la journée qu'ils sont fatigués. Et du coup, ils arrivent à la salle en se disant « ouais, de toute façon, j'y vais, mais j'ai mal dormi, je vais faire une séance de merde ». Et au final, ils font une séance de merde à cause de ça. Alors que moi, je sais très bien qu'il y a certaines de mes perfs que j'ai faites en ayant 4 heures de sommeil, ça n'a jamais posé de problème parce que en fait au lieu de me dire j'ai dormi 4 heures etc, quand tu traques tu te dis ok, bon bah les deux dernières semaines mon sommeil était ok, juste là j'ai dormi 4 heures, ok, j'ai accumulé une petite dette, je vais mieux dormir ce soir et ça ira mieux. Et ouais. Terminé, je fais ma séance et je me mets pas en fait dans un mauvais état d'esprit. Donc en fait il y a la perception. Le vrai manque de sommeil et le faux manque de sommeil. Mmh. Et beaucoup sont dans le faux manque de sommeil. Et du coup, au final, s'en servent comme une excuse pour soit ne pas mettre trop lourd, soit ne pas forcer, soit comme de par hasard, c'est tombé le jour des jambes. Ah, oh bah zut! J'ai deux choix possibles. J'ai mal dormi, soit je fais pas les jambes, soit je les fais, mais qu'à 50%. Soit je fais les pecs à 100% et là ça ira bien, tu vois. Parce que les pecs, c'est bien connu, ça consomme moins. Ouais, mais les pecs, c'est pas affecté par le sommeil. Voilà. Tu vois. Non, mais pour le coup, c'est vrai que cette perception, là, quand tu te dis. Tu te perçois que tu es cramé et que du coup, tu vas faire une journée de merde et une séance de merde, c'est sûr qu'à 90% du temps, 90% des chances, tu vas passer à côté de ta séance parce que tu auras vraiment ouvert, vous savez, le grand tiroir à excuses qu'on avait déjà évoqué dans le podcast. Ça, clairement, ça rentre dedans. Vraiment, je suis fatigué, j'ai fait un peu moins de sommeil, j'ai dormi un peu moins que d'habitude. Bim, ça, c'est l'étiquette numéro 1 de votre tiroir à excuses et elle sort régulièrement. Donc, c'est très difficile à distinguer hein, ce manque de sommeil. Mais pour le coup, c'est pas votre joker, quoi. Ça ne doit pas être un joker. Donc au final, le seul moyen de savoir si tu manques réellement d'heures de sommeil, c'est de traquer tes heures de sommeil. Et tout simplement, en fait, d'analyser parce que tu ne pourras jamais sentir réellement les signaux. Certes, tu vas te sentir un peu fatigué, certes. Tu peux avoir des cernes, etc. Tu peux avoir quelques signaux extérieurs comme ça. Mais comme on l'a dit, tu te sentiras très, 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 très souvent fatigué alors que tu ne l'es pas. Et au final, si tu veux en être sûr à 100%, le mieux, c'est encore une fois de traquer ton sommeil. Et de toute façon, comme on l'a dit dès le début de ce podcast, plus tu pourras dormir, mieux ça sera. Donc, cherche toujours à dormir le plus possible et tu devrais, même si tu commences à accumuler une toute petite dette, très, très vite la rembourser. Ouais, et puis c'est surtout ça, c'est comme tout.
Tu le sais en fait quand tu as un carence de sommeil. Enfin, c'est des choses assez évidentes. Au fond de nous, c'est parce que c'est un leurre un peu empoisonné de, encore une fois, se dire je suis fatigué, j'ai fait une mauvaise nuit, donc je vais faire une mauvaise séance. Ça, c'est un leurre en fait. Tu le sais au fond de toi quand vraiment tu as une dette de sommeil, pour reprendre le terme de Denis. Tu le sais au fond de toi que là, c'est parce que ça fait 3 jours que tu dors pas, etc. Vraiment, il faut vraiment distinguer ces choses-là. Je pense qu'on a fait le tour sur comment détecter si on manque de sommeil au final. Donc, tracking à fond. Ouais, maintenant, comment traquer? Parce que c'est ça aussi, un point un peu factuel, c'est de se dire traquer le sommeil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je prends encore un exemple concret. Sur le tableau de tracking de mes suivis que je propose, alors je l'affine en fonction de la personne que j'accompagne, mais soit il est très simple, c'est heure de sommeil, qualité de sommeil, donc heure de sommeil, voilà, on établit le nombre d'heures de sommeil, et la qualité du sommeil, c'est on estime sur un barème de 1 à 10 selon des critères qu'on va identifier et donc appliquer, en gros 10 c'est une nuit où vous n'avez pas eu de réveil, etc., où vous avez senti que vous avez eu tout votre sommeil de manière complète. Et puis après, je peux l'affiner en fonction des personnes que j'accompagne. Je peux très bien avoir aussi heure de coucher, heure de lever, nombre de fois où vous vous réveillez la nuit, voilà, s'il y a eu une insomnie. Et voilà, donc en fait, je peux élargir après le champ du tracking, mais en partant déjà d'un truc tout simple, heure et qualité de sommeil, vous avez déjà une bonne base pour ensuite estimer la qualité de votre sommeil. Donc après, ouais, c'est voilà. Ça. Après, tout dépend. En fait, il faut, c'est comme tout ce que le tu traques. Personnaliser, voilà. Voilà, il faut que tu le personnalises. C'est vrai que je fonctionne de la même manière que toi. Il y a également des personnes qui vont, comme moi par exemple, avoir une Oura ou d'autres outils de tracking. Du coup, tu peux avoir accès à des données type le sommeil réel, le sommeil, voilà, profond, le temps passé au lit, pardon, et le sommeil réel. On peut aussi, si par exemple la Oura donne une note, on peut aussi demander la note de sommeil. Enfin, il y a plein de possibilités, mais effectivement, ça amène sur quelque chose d'important, c'est que c'est pas parce que tu vas te coucher à 22h et que tu vas te réveiller à 6h du mat que tu vas avoir 8 heures de sommeil. C'est ça. C'est ça qui est en fait, parce que et c'est ça en fait qui est ouf dans la stat sur le sommeil. Je ne sais pas si tu as vu, frère, mais il y a un tiers des Français qui dorment moins de 7 heures par nuit. Ouais, c'est ouf. Ouais. Mais en fait, ils partent du principe que genre, les mecs se couchent à 23 heures et ils se lèvent à 6 heures. Et ils comptent comme ça les heures de sommeil. Sauf que ça, c'est… Ça renvoie… En fait, c'est une donnée un peu nulle parce que… C'est les heures de sommeil théoriques. Voilà, c'est ça. Ça reste des heures de sommeil. Et ça, je pense que être au lit pendant 10 heures, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde. Certaines personnes peuvent le faire. Mais après, bien dormir pendant 10 heures… Ça, c'est, ouais, c'est pas la même chose. Moi, je vois, par rapport à ce que me donne la Oura, encore une fois, il me semble que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais où on en avait parlé, je crois, en off avec Louis, je crois, dans un podcast. Peut-être bien. Un podcast bien. Qu'on avait fait avec Louis. Et en fait, je vais avoir une différence assez importante entre mon temps passé au lit et mon nombre d'heures de sommeil réel. Exemple, je vais passer 9 heures dans mon lit, et si je passe 9 heures dans mon lit, en général, je vais avoir un temps de sommeil entre 7h30 et 8h. Donc, en général, tu peux toujours retirer 1 heure à 1 heure et demie sur ton temps de sommeil. Alors, encore une fois, c'est moi, ça dépend. J'ai beaucoup de mes suivis sur lesquels c'est la même chose, mais attention, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je vais prendre un exemple tout con, Margot, que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Elle, c'est très simple, elle s'endort. Une enclume. Voilà, elle s'endort en une seconde, n'importe comment, et elle se réveille. C'est-à-dire que 22h, elle dort, elle dit « Ouais, je vais au lit !» Hop, terminé, bonsoir, on ne la voit plus. Et à 6h du mat, c'est le démarrage Windows. Exactement, tu as la petite musique Windows. Et ça y est, elle est d'attaque pour me casser les couilles. C'est ça. Alors, tu as parlé de la Oura Ring. Moi, j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas parce que je trouve que trop de tracking tue le tracking. Ça, on pourrait aller encore plus loin, mais ça sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. Encore une fois, c'est ma personnalisation du tracking. Mais par contre, j'utilise une application que tout le monde peut avoir sur son téléphone. Elle est gratuite. Hein. Voilà, on les connaît. Et moi, je suis un rat. Hein. Je suis un rat, je ne vais pas prendre un abo
pour une appli. Voilà. Vous avez Skip Cycle, où j'ai mangé le nom, mais on pourra le mettre dans le lien de ce podcast. Mais c'est une application qui permet de justement relater un petit peu votre nuit. Alors, ça donne, comme l'a dit Denis, votre temps réel, vous dormez, le nombre de fois où vous êtes réveillé. C'est quand même assez imprécis. C'est imprécis, mais attends, c'est pas là où je veux en venir. C'est que dans cette application, si vous n'avez pas envie de tenir un Google Sheet avec un tableau où vous mettez toutes vos notes, c'est une application qui vous demande aussi comment vous qualifiez votre sommeil. Genre, en gros, avant de t'endormir, ça te demande si tu es dans de bonnes conditions, ce que tu as fait avant, si tu as mangé plus tôt ou si tu as mangé un repas, si tu as pris une douche, etc. Enfin bref, ça peut être personnalisé encore. Et après, au niveau du réveil, ça vous demande aussi une note. Alors, encore une fois, c'est hyper subjectif, mais c'est à vous aussi de prendre en main l'application sur comment vous avez senti votre nuit. Est-ce qu'elle était passable, excellente ou mauvaise? Et donc, bah voilà, vous notez, je vais y arriver, votre sommeil. Et ça, mine de rien, tu peux récolter après des stats qui sont certes imprécises, mais qui te permettent, mine de rien, d'avoir une base à peu près OK sur ton sommeil. Mmh. Et en plus de ça, ça enregistre les bruits que tu fais la nuit. Donc, des fois, il y a de ces bastos qui sortent. Tu pètes? Bah, franchement, j'avoue, je le fais pas, j'écoute pas toujours les il pète. J'écoute pas toujours les notes. Il a dit qu'il pète. Parce que je crois que t'en as que 3 et après il faut payer, mais sur les 3, j'ai jamais entendu un de mes proutes, donc j'ai arrêté. Tu vas payer pour écouter des proutes? Bah non, mais justement, l'application elle va bien plus loin que ça, c'est que tu peux. Le sondage, tu style, tu sais, pourquoi avez-vous décidé de passer à la version payante? Parce que je veux savoir combien de fois je pète la nuit. Non mais voilà, en fait l'application est vraiment pas mal, il faut vraiment que je la mette dans, je te l'enverrai le lien dans... Mais je l'ai déjà essayé et justement je la trouvais trop imprécise. Alors parce que t'es pas passé peut-être sur la version payante, parce que t'as je crois 7 jours d'essai et en fait tu peux demander à enregistrer absolument tout, donc si par exemple t'as des ronflements, si t'as des pets par exemple, ou si tu parles la nuit, enfin bref il y a plein de choses sympas là-dessus. Et encore une fois, c'est à personnaliser en fonction de l'individu. Mais ce n'est pas, encore une fois, la donnée récoltée, mais c'est après la tendance que tu vas pouvoir dégager de tes stats. Ouais. Voilà, c'est après, plus ça. C'est vrai que honnêtement, je préfère un outil qui va me donner un peu plus de précision, mon rythme cardiaque, etc. Quelque chose que je vais avoir directement sur moi. Je trouve que ça va être quand même quelque chose de fiable. Ah, mais tout à fait. Et aujourd'hui, on sait que tout ce qui va être montre connectée, bac connectée, c'est quand même assez fiable pour le sommeil. Alors, pour la dépense énergétique, c'est nul à chier. Mais pour le sommeil, honnêtement, les algorithmes sont plutôt assez bien faits. Et c'est vrai que n'importe quel accessoire connecté peut aider à vraiment traquer le sommeil. Tout à fait. Peut aider à vraiment traquer le sommeil. C'est clair. Mais attends, je vais recentrer parce que le postulat de base, c'était du coup que, bah, par exemple, si aujourd'hui tu penses dormir 8 heures, ça se trouve que tu ne dors pas 8 heures. Et c'est vrai que les recommandations, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Bien sûr, comme je disais, bah, ça varie en fonction de si tu fais du bois ou pas. si pendant ta journée, tu te dépenses beaucoup, forcément, tu vas avoir besoin, bah, tu vas être plus proche des 9 heures. Et au contraire, si tu ne fais pas grand-chose, bah, tu seras plus proche des 7 heures. Mais si du coup, par exemple, tu te dis « Ok, moi, j'ai mes 7 heures de sommeil parce que je me couche à 23 heures, je me lève à 6 heures. » Bah, part du principe que tu n'as pas 7 heures de sommeil. Tu n'as pas du tout 7 heures de sommeil. Et du coup, bah, tu as plutôt intérêt à élargir ta plage si tu veux être, avoir suffisamment de sommeil. Parce que, vas-y. Non, mais parce que ça aussi, c'est important. Ce côté un peu théorique des 7 heures, des 8 heures, des 9 heures de sommeil. Si tu te poses la question du comment je pourrais optimiser mon sommeil, mais que actuellement tu dors bien, te dis pas, il faut que je regarde réellement combien je dors. Et ne cherche pas à augmenter ton sommeil si ce que tu fais déjà actuellement te convient. Ce que je veux dire par là, c'est que extraire la donnée du temps réel que tu dors, si tu dors très bien avec ce que tu as estimé au global, donc si par exemple c'est 9 heures de sommeil, ne cherche pas à avoir une extraction plus précise de ta donnée parce qu'elle peut aussi t'embrouiller et on peut aussi te rendre un peu… Ça dépend. Hein. Moi, je sais que pareil avec des personnes avec lesquelles je travaille en coaching, lors du premier bilan, donc justement, bah, on parle du sommeil. Et quand la personne me dit, bah, je me couche à minuit, je me réveille à 6 heures, je dis, bah, tu ne te sens pas fatigué?
Elle me dit, bah non, ça fait des années que je fais ça, je me sens très bien. Exactement. C'est ce qu'on dit toujours, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs, a.k.a. La Margot. Alors, c'est là où du coup, justement, je vais apporter une nuance et je vais aller un peu dans une direction différente. C'est que bah, du coup, je dis, mais ok, est-ce que tu as essayé de dormir plus? Parce qu'au final, je dis, ça se trouve, c'est... En fait, tu t'es tellement habitué à dormir peu que maintenant, en fait, c'est ça ta base et tu ne te rends pas... En fait, ça se trouve, si tu dors plus, tu vas te sentir mieux. Mais tant que tu ne le fais pas, eh ben, tu ne le sauras pas. Et quand on change des habitudes de sommeil, qu'on rajoute une, deux heures de sommeil, bah, tout de suite, la personne se sent mieux. Donc, actuellement, ce n'est pas parce que bah, potentiellement, tu te sens bien, et c'est là où je vais dans une direction différente de toi, ce n'est pas parce que tu te sens bien en dormant que 6 heures que tu ne te sentiras pas mieux en dormant 8 heures. Tu vois c'est ce que ça. Je veux dire. Ouais. Donc, ça revient à ce que j'ai dit au début. Essaye toujours de dormir le plus possible que tu peux. Et il y a un article sur le lab qui a été fait sur ça. Combien d'heures de sommeil tu dois dormir chaque nuit? Je vous le résume très rapidement. Le plus possible que tu peux. C'est comme j'ai dit, c'est le seul truc où... voilà, c'est comme si, entre guillemets, on me disait, mec, tu peux avoir autant de calories que tu veux. Ça sera plus t'en as mieux ça sera, mais que toi t'es là tu te mets un petit 5000 calories alors que tu pourras en avoir 15 000 et y aurait, tu te sentirais beaucoup mieux et tout irait mieux à 15 000 quoi. Après ce que je veux dire par là c'est petit dormeur gros dormeur, ça renvoie aussi pas forcément à des mecs qui vont dormir que 3 heures parce que ça va être leur rythme habituel et d'autres qui vont dormir 12 heures. Je dis pas que la fourchette est aussi large, je dis juste que y a des personnes qui ont l'habitude de dormir comme ça depuis des années et qui se contentent d'être comme ça. Et ce que je voulais dire par rapport aussi au nombre d'heures de sommeil, dormir le plus, ok, ça me fait penser à l'hydratation. Tu sais, c'est voilà, clairement se baser sur la clarté de ses urines. Eh bien, c'est la même chose au niveau du sommeil. Plus tu dors, plus du coup, tu te sentiras bien et ça sera le seul élément pour qualifier ton sommeil. De toute façon, en fait, le sommeil, il y a aussi quelque chose, c'est que si tu peux pas trop dormir parce qu'il y a un moment où tu te réveilles. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment où tu te réveilles, et c'est bon, quand ton corps il en a assez, Windows, et c'est parti, tu vois. Et même souvent, en fait, tu as des obligations qui font que, bah, par exemple, le matin, tu vas mettre un réveil, et voilà, tu vas te réveiller, et du coup, au final, bah, la journée va commencer. Mais je vois aussi où peut-être où est-ce qu'on pourrait aller dans trop de sommeil, tu sais, c'est. Alors, on va prendre le cas classique. T'as bossé toute la semaine, le dimanche tu veux te faire une grasse mat. Ta grasse mat, tu la pousses à 10h, 11h. Et en fait, tu te réveilles, en fait, t'as l'impression d'être plus fatigué que la veille, alors que tu t'étais levé classiquement à 7h par exemple. Ce côté un petit peu vaseux, un peu endormi, on l'a tous vécu. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous avez trop dormi. Attention, c'est juste que vous avez un petit peu bouleversé vos habitudes et que là, votre sommeil, enfin votre corps, il vous dit mais attends, là, je suis à quel moment de la journée. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Si tu travailles aussi, il y a les cycles de sommeil. Tu peux te réveiller au milieu d'un cycle. Du coup, c'est pour ça que tu te sens un peu fatigué. Il y a plein de choses pour l'expliquer. Mais juste, j'aimerais clarifier un petit truc. Après, on va oublier. Rémi parlait tout à l'heure de gros dormeurs, petits dormeurs. Comme je le disais, en fait, les petits dormeurs auront un sommeil adapté. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui peuvent dormir, on va dire, 6 heures et se sentir très bien. Et c'est ça. Mais il faut regarder. Genre, souvent, c'est des personnes qui vont faire 1000 steps en moyenne par mois, enfin en moyenne mensuelle, vont travailler devant un ordinateur toute la journée. Et à l'inverse, un gros dormeur, tu verras, ça sera très régulièrement soit un sportif, soit quelqu'un qui va avoir un métier assez physique, qui va avoir besoin de dormir. Comme d'habitude, c'est comme tout. Mais effectivement, part du principe, on s'adresse à des sportifs, que si tu es un sportif, tu seras toujours un gros dormeur. Et on parlait du fait de bouleverser un petit peu son cycle. Je reviens sur l'application. L'application te propose d'avoir une fenêtre c'est de réveil. C'est un partenariat ou... Non, parce que c'est gratos, j'ai dit. Ah si, pourquoi pas. Ils ne donneront pas d'argent. Ils ne donneront pas d'argent. Ça, on aurait pu monter la cagnotte du podcast à 5 euros. 5 euros. Non, mais tout ça pour dire que ça revient aussi, et c'est bien que tu reviennes là-dessus, c'est qu'on a des cycles de sommeil, ça on ne vous apprend rien, les fameux petits trains. Et l'application peut, si tu lui proposes une fenêtre de réveil, te réveiller au moment où c'est le plus opportun pour toi. En gros, pas que tu reviennes sur un sommeil très profond. Quand le train arrive en gare. Voilà, le train peut te dire c'est bon. Là, vous êtes arrivé au terminus. Avant de repartir sur une boucle, vous pouvez vous réveiller. Voilà, c'était la dernière petite chose sympa de l'application. Et donc,
Ce qui est bien, c'est que l'application vous réveille naturellement, donc il n'y a pas du stress, du réveil qui sonne comme un bâtard là, et que tu invites qu'à le bomber ou tu appuies sur snooze pour essayer de te rendormir. Là, ça te réveille dans une position où c'est le plus favorable, donc généralement ça facilite le réveil. Bref. Là, du coup, on a parlé de pas mal de petites choses dans le sommeil. Du coup, comment savoir quand on a un manque de sommeil? Au début, j'ai parlé également des conséquences d'un mauvais sommeil. On a parlé du coup de la différence entre sommeil théorique, sommeil pratique, réel, on va dire. Réel. Pour un podcast qui n'est pas préparé du tout, on s'en sort plutôt bien. Moi, je trouve que c'est pas mal, ouais. Et maintenant, on pourrait voir sur comment améliorer son sommeil. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on connaît tous, et par expérience aussi avec nos suivis, il y a des personnes qui, voilà, elles vont aller se coucher à 22h et elles vont pas dormir à 22h, quoi. Elles vont commencer qu'à dormir qu'à minuit, 1h, et après, bah, quand il va falloir se réveiller à 6h du mat, ça va piquer un peu le cul. Donc, comment on peut faire? Parce qu'au final, je pense que honnêtement, n'importe qui aujourd'hui écoute ce podcast est capable de plus ou moins estimer ses heures de sommeil et est capable de savoir si oui ou non il dort suffisamment. Oui. Je veux dire, si tu te couches à minuit et que tu te lèves à 5h du mat, je pense que tu n'es pas suffisamment teubé pour te rendre compte que tu dors pas. Mais enfin, voilà, que tu dors suffisamment. Donc, aujourd'hui, quand on dit bah, essaye de dormir entre 7 et 9 heures, pars du principe que tu fais, même si tu fais un calcul, que tu enlèves 1 heure, parce que du coup, tu, voilà, pour avoir du sommeil réel, ça veut dire qu'il te faut au minimum entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. Ça, c'est la fourchette ajustée, c'est la fourchette galois. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te démerdes pour essayer au moins d'avoir 8 à 10 heures. Je sais que c'est pas, je sais qu'il y a des contraintes, etc. Mais je pense que pour beaucoup qui vont écouter ce podcast, c'est la fenêtre de tir. Ça va surtout vouloir dire se coucher plus tôt. Parce que bien souvent, tu ne peux pas te lever plus tard. Sinon, tu arrives en retard en cours, tu arrives en retard au taf. Mais par contre, tu peux te coucher plus tôt. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et c'est la première option, te coucher plus tôt. Petit tips pour justement essayer de vous persuader que plus vous allez vous endormir tôt, mieux ça sera. Il y a un vieux dicton qui dit que toutes les heures de sommeil qui sont faites avant minuit comptent double. Alors, pas forcément vrai, mais si vous vous persuadez que… Qui c'est qui dit ça? C'est pas un mythe, mais c'est aussi quand même ça, un dicton. Okay. C'est ce qu'on dit souvent. Toutes les heures voilà, avant minuit comptent double. Et ben, si vous vous dites ça, si vous vous dites « Ok, plus je dors tôt, plus je vais avoir un sommeil récupérateur, mieux ça sera. » Et puis en plus de ça, ça revient aussi un petit peu à l'optimisation autour du cycle circadien. Plus voilà, vous allez vous régler par rapport à notre beau soleil qu'on a aujourd'hui, mieux ça sera. Parce que du coup, donc, la première option pour améliorer son sommeil, c'est de se coucher plus tôt, donc de rajouter des heures de sommeil. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'augmenter le temps de sommeil réel, donc d'améliorer la qualité de son sommeil. Et ça va passer par une routine de sommeil. T'en as une peut-être, mon frère? Ouais, j'en ai une, mais j'explore pas beaucoup en ce moment, mais j'ai exploré pendant un bon moment et j'aime bien. J'en ai une, mais elle est super longue et super chiante, mais je pourrais quand même la donner s'il faut. Vas-y, moi c'est très simple comme ça. Après, mais voilà. Je te laisse parler si tu veux. Du coup, la première chose, honnêtement, donc. Tu veux pas parler de ta routine? Si, mais on va parler déjà sur. On va finir sur. Parce qu'on a dérivé. Donc, première chose pour améliorer ton sommeil. Améliorer la quantité de ton sommeil, donc la fourchette galois entre 8 et 10. Donc, tu essayes, voilà, si tu te lèves à 6 heures, tu te couches à 22 heures au minimum. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui est faisable et encore une fois, pars du principe que même si la semaine, bah, tu ne peux pas, tu pourras toujours rattraper le week-end par exemple, où il y aura toujours des moments où tu pourras te coucher un peu plus tôt, il y aura toujours des moments où tu pourras te lever un peu plus tard. Donc voilà, mais essaye de toujours être constant au niveau de ton sommeil. C'est quand même l'idéal si tu peux avoir un cycle qui est toujours le même. Challenge-toi, enfin, faut que tu dises aussi, ok, si je me couche à 22h, je suis le geek boss, mec. Ouais. Je suis le geek boss. Si par contre, tu te couches à 22h03, t'es une merde. Non, mais je veux dire, tu peux aussi te dire, ok, là, il est 21h,
40, j'ai 20 minutes pour faire la vaisselle, vite me brosser les dents. Et, surtout que par expérience, en fait, tu peux forcément retirer des trucs le soir pour gagner du temps. Oui. Il y a toujours des moments où tu genre, t'es sur ton téléphone et t'es là, tu scrolles. Tu perds du temps. Ça, c'est des choses que tu… C'est pas obligatoire, tu vois ce que je veux dire ? Il y a forcément des trucs que tu peux faire pour te coucher plus tôt. Et comme je t'ai dit, même si tu as vraiment beaucoup d'obligations, je sais qu'il y a des pères de famille, etc., qui écoutent ce podcast, des mères de famille aussi, tu pourras peut-être rattraper un autre moment. Donc voilà, là maintenant, on a parlé de la quantité. Je pense que ce n'est pas trop… Enfin, on ne va pas y passer plus de temps. C'est ça, c'est assez simple. Voilà. Et puis, je pense que… avoir un meilleur sommeil, dors plus. Voilà, c'est voilà. Augmente les quantités, c'est factuel. Maintenant, améliore la qualité. Bon, je balance ma routine. Si tu veux, si elle est un peu longue, ouais, vas-y, allez, présente-la, tiens. En fait, ma routine, elle est, honnêtement, elle est assez simple, mais elle est un peu longue, et c'est surtout quelque chose que j'ai fait évoluer au fur et à mesure du temps. Et ça fait… je vais parler d'une application. Ah ouais ? Ouais, je vais parler d'une application. Alors, mais c'est pas du tout ce à quoi vous attendez. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, il y a deux points noirs qui niquent ma qualité du sommeil. C'est les jours où je m'entraîne, parce que je m'entraîne tard, je mange tout de suite après. Parce que du coup, vu comme je vis dans la salle, c'est très simple. Je termine mon entraînement à genre 21h, 21h30, enfin 21h01, pardon. Je suis en train de bouffer. Impeccable pour la fenêtre anabolique. Vraiment, je fais un super set. Hein. La dernière série de mon dernier iso de la séance, je le fais en super set avec, avec mon repas. Et, impossible de catalyser, quoi. De cataboliser. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, je mange assez rapidement. Et du coup, c'est des repas avec forcément de grosses quantités parce que bah, en ce moment, je mange beaucoup. Et c'est mon repas après entraînement. Et après, du coup, je vais dormir. Enfin, je prends ma douche et je vais dormir. Donc, c'est vraiment genre, si je termine à 21h, à 22h au plus tard, je suis dans mon lit. Et du coup, c'est ça qui peut nuire un peu à mon sommeil. Mais sur les jours de repos, je n'ai pas ça. Et tout de suite, je sens que j'ai une meilleure qualité du sommeil. Donc, effectivement, les deux éléments que je ne peux pas contrôler, c'est ça. Mais si je peux et si tu peux aussi, je te recommande d'éviter de faire un gros repas avant de dormir et également du coup de t'entraîner trop proche de ton heure de sommeil. Mais je pense qu'il y aura assez peu de personnes, sauf les personnes en home gym, qui pourront avoir leur entraînement et leur sommeil aussi proche que moi. Mais sinon, ma routine en fait est très très simple. Déjà, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi, mais j'arrête de travailler au moins 2 heures avant d'aller me coucher. C'est quelque chose qui est assez compliqué, je pense que tu l'as compris, je travaille beaucoup. Et jusqu'ici également, quand je mangeais, je travaillais pendant que je mangeais. Du coup, au final, je ne coupais pas. Mais maintenant, en fait, j'ai une nette amélioration si j'ai une coupure au niveau de l'exposition, de la concentration. De mon boulot, ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, j'arrivais au lit et je me disais, putain, il faut que je fasse ça. En fait, je restais dans le boulot, donc j'ai besoin d'avoir une coupure. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se sentir concernées, mais je donne ma routine. Donc déjà, 2 heures avant, j'arrête de travailler. Également, je réduis drastiquement l'exposition aux écrans. Alors, ce n'est pas du tout pour une histoire de lumière bleue, parce qu'aujourd'hui, il y a des filtres de lumière bleue, il y a des lunettes lumière bleue. Mais c'est juste, encore une fois, parce que moi, personnellement, si je suis sur mon téléphone, j'ai des notifs. J'ai des notifs, par exemple, de mes suivis. Mal. Mais en fait, il faut que je me déconnecte. Parce que si je vois les notifs de mes suivis, eh bien, encore une fois, je vais avoir envie d'aller sur leur log, de regarder, etc. Donc, à 8 heures, en général, je coupe. Alors, je sais que certains de mes suivis diront « c'est pas bien », ils répondent parfois après 8 heures. Je sais que c'est compliqué. Mais voilà, j'essaye de couper les notifications. Et pareil, vu comme je travaille sur les réseaux, bah, si j'ai des notifs sur les réseaux, etc., je sens le besoin de répondre parfois, etc. Parfois, il y a des mecs qui mettent des commentaires haineux sous mes vidéos, j'ai envie d'aller les insulter. Donc, encore une fois, voilà, j'essaye de couper ça. Et la solution que j'ai trouvée pour moi, c'est pas de regarder des séries, etc. Je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, c'est les livres audio. Ok. Les livres audio. Aujourd'hui, vous pouvez trouver à peu près n'importe quel livre audio sur Internet.
Ça peut également être des podcasts. J'ai fait des podcasts. Ah, on a perdu une caméra. C'est grave? Non, c'est pas grave. On a des caméras backup. Ok. On a des caméras backup, ça va le faire. Faut juste pas qu'on en perde une des plus. Ah, fais gaffe à Tant ça. qu'on a celle du milieu, c'est bon. Bon, très bien. Du coup, donc, je sais plus ce que je racontais. Oui, livre audio. Ouais, livre audio. Livre audio, c'est bien parce que en même temps, ça me fait penser à autre chose. Et c'est quelque chose que voilà, je mets mon casque et tu vois, je vais préparer ma cuisine, je vais faire ma vaisselle. Je vais en fait l'avoir avec moi et c'est pas un écran aussi que j'ai besoin de regarder. Donc je peux être actif et je peux quand même faire certaines choses. Et c'est les corvées du soir entre guillemets. Donc voilà, ça me met déjà, ça me transpose un peu dans tout ça. Après, quand je peux, du coup, donc quand je suis en jour de repos, ce que j'essaye de faire, c'est forcément, du coup, je mange avant, enfin assez tôt. Donc j'essaye, par exemple, si je vais au lit à 21h30 ou 21h, j'essaye de manger vraiment au plus tard du plus tard à 8h, voire parfois 19h, 19h45. Moi, bon, j'ai la gigadalle, donc ça ne me pose pas de problème. Par exemple, hier, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, donc je mange. Pendant que je mange, pareil, j'écoute mon livre audio. Ou alors, parfois, ce que je fais aussi, je lis. Alors là, c'est des livres numériques, donc c'est sur écran, mais je n'ai pas les notifs, etc. C'est quelque chose aussi que j'aime bien faire. Donc ça dépend, c'est soit livre audio. Livre audio, c'est plus adapté. Parfois, en fait, je mixe, hein, tout simplement. Quand je vais faire de la vaisselle, quand je vais faire à manger, etc., que je vais préparer mes repas, par exemple, ça va être livre audio, parce que c'est quelque chose, voilà, je ne peux pas lire en même temps. Et par contre, quand je vais manger, ça va être un livre numérique que je vais checker à ce moment-là. Ensuite, une fois que j'ai fini de manger, je peux parler des compléments. Je prends du ZMP en général sur mon dernier repas qui aide justement au sommeil. Après, quelque chose de très important, je vais prendre ma douche. Okay. Pourquoi? Parce que la douche me détend et également parce que, comme je l'ai dit, il fait froid dans le local et c'est pas parce qu'on a le chauffage que je le mets aussi à fond. Il faut savoir que quand je vais me coucher, en général, là où je dors, il fait entre 16 et 17 degrés. C'est ce qu'il faut. Ouais, en général, c'est 20. C'est 20. 16-17, c'est froid. Et Il ne faut pas qu'une chambre soit trop élevée en température. ouais, il faut pas que ce soit, faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit trop haut, mais en général, c'est 20 qu'on recommande. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semblait que c'était justement moins que ça. 16-17, c'est frais. Je te le dis, c'est frais. Ouais, mais c'est ce que j'ai dans ma chambre, Moi, justement. je dors à poil. Je peux te dire qu'il fait froid. Mais parce que c'est pas, en fait, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est après ta température que tu as dans ta couette. Mais s'il fait chaud à l'extérieur et après. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est pas aussi haut. Je sais que, donc encore une fois, je vais parler après un peu plus en détail de la température parce que j'ai des choses, j'ai une routine aussi par rapport à ça. C'est pour ça que. Putain, la routine est méga longue, les gars. Non, non, parce que là, c'est. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir optimiser. Mais et Parce surtout que. s'approprier des éléments, ouais. Voilà, s'approprier des choses. Donc, je prends ma douche. La douche, du coup, elle a pour but de me détendre, de me faire, voilà, de me faire sentir bien, de me faire sentir aussi tout propre, de sentir bon. C'est vraiment genre. Un truc, Pour une fois, mec. c'est vraiment un truc ultra important. Et de me réchauffer aussi, de me réchauffer, parce que si je prends pas ma douche, en général, il fait froid dans le local. Et du coup, j'arrive, je suis gelé, et le temps que je me réchauffe, je dors mal et je suis pas bien. Donc, cette douche, elle est pour moi importante. Après, c'est le moment où du coup, j'arrive à l'endroit où je vais me coucher, où ça commence à être un peu plus pointilleux. Mais comme je le disais, Mec. non, mais comme je le disais, cette histoire de sentir bon, c'est vraiment genre quelque chose qui est agréable De pour se moi. sentir propre, c'est clair. Exactement. Ce qui fait que, alors, il y en a qui vont se dire, mais putain, mais il est un peu jobard, mais moi, c'est ce qui fonctionne bien. Donc, je sais pas si tu as vu, à côté du bureau, j'ai ce qu'on appelle un parfum de lit. Donc, c'est un truc que je vais mettre dans mon lit qui va faire que ça va sentir bon. À côté de ça, non, mais Oh, la honnêtement, c'est. princesse! Voilà, il y en a qui J'apprends vont. des trucs. Il y en a qui Non, vont là. dire princesse. Va au bout, va au Il bout, y en a va au qui vont bout. dire princesse, mais encore une fois, ça joue vraiment sur la qualité de mon Bien sommeil. sûr, À bien côté de sûr. ça, pareil, avant de dormir, je vais me mettre du déo, je vais me mettre du parfum. Il y en a qui vont dire, mais mec, c'est pas. Déjà, il faut dire un truc, c'est que quand je sors, souvent j'oublie de mettre mon parfum, tu vois, parce que c'est pas un truc. Genre, mon parfum, je le mets pour moi. Et je le mets parce qu'il va m'aider à dormir, tu vois. Donc, voilà, c'est un petit détail, mais les odeurs jouent vraiment. Énormément Côté olfactif. pour moi, effectivement. Et après, justement, il y a tout l'aspect aussi au niveau du lit et de la literie. C'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que mon matelas est optimisé. C'est-à-dire que c'est un matelas qui coûte super cher
J'ai vraiment investi là-dedans pour ça. Mes oreillers, c'est pareil, c'est des oreillers dans lesquels j'ai investi. Ça coûte 150 boules l'oreiller, un oreiller. Mmh. Vraiment, la qualité de mon tissu de lit, mon linge de lit, c'est pareil. C'est une qualité, ça m'a coûté une blinde, mec, un drap housse, je sais pas combien ça coûte, mais là j'ai dû mettre 60 balles là-dedans pour voilà, c'est pour un bout de tissu. C'est du tout doux, mec. Ouais. J'y arrive, c'est bien, c'est frais, ça respire, ça pique pas les yeux, c'est parfait. Et vraiment voilà, j'ai dépensé beaucoup là-dedans, mais encore une fois parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Au niveau des couettes aussi, il faut savoir que j'ai investi aussi beaucoup pour avoir différentes. Tu sais, donc c'est un drap dans lequel tu mets ta couette. Un drap housse. Ouais, j'ai différentes tailles, différentes épaisseurs, différentes pour adapter. Et en fonction de la température, parfois je vais le changer. Il faut savoir. C'est vrai que je suis assez minutieux là-dessus. Mais je vous dis, j'accorde énormément d'importance. Le sommeil, pour moi, c'est quelque chose sur lequel j'accorde autant d'importance que mes calories et mon entraînement. Ben, ça serait con de ne pas accorder autant d'importance. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais je pense que tous les astres soient alignés. Il y en a beaucoup qui vont comprendre à quel point c'est important parce que vraiment, je suis minutieux. Après, par-dessus, je vais avoir une couverture lestée. Ouais, je sais, ça tu m'as déjà dit. J'ai une couverture lestée qui, pareil, tout le monde ne va pas aimer, mais moi, je dors mieux avec une couverture lestée. Pareil, ça coûte un bras. Mais honnêtement, voilà, t'as pas cette sensation de parfois c'est la couette qui se lève, du coup tu le sens un peu moins dessous. C'est honnêtement, c'est agréable comme sensation et ça m'aide à dormir. Donc là, du coup, c'est tout ce qui est l'aspect. Il y a encore d'autres choses. Ouais. Après, du coup, donc je vous ai dit le radiateur, donc je l'allume et vu comme je vais toujours dormir à une heure précise, j'allume toujours le radiateur du coup une heure avant que j'aille m'endormir pour justement il fasse 16-17 degrés après quand je dors. Et il y a un truc, c'est que moi, la nuit, je chauffe. C'est-à-dire que j'émets plus de chaleur que le radiateur. Donc, c'est un radiateur connecté. Attention, ça ne coûte pas très cher, par contre. Et du coup, il a un programme qui fait qu'il se coupe. Enfin, d'abord, il réduit en température, puis après, il se coupe à une certaine heure. Donc, encore une fois… C'est un thermomètre, donc il identifie… Quand... Exactement. Donc, encore une fois, pour me permettre d'avoir toujours la température idéale pendant mon sommeil. Ensuite, du coup, donc ça, c'était juste voilà, l'aspect « j'arrive dans mon lit ouais. ». Ensuite, une fois que j'arrive dans mon lit, c'est là où ça devient intéressant. J'ai du coup, au niveau de ma table de chevet, j'ai de la mélatonine. La mélatonine également, du coup, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc moi, je la prends en spray. Et du coup, je vais avoir 4 sprays que je vais mettre dans assez précis. Et si je me réveille pendant la nuit et que du coup, j'ai des difficultés de rendormissement, je vais avoir 2 sprays. Ah, mais je vous l'ai dit, tout est calculé, les gars hein. C'est pas le sommeil, c'est pas de la merde. Et ensuite, c'est là où du coup, la notion de livre audio va être importante. C'est que, moi je pense que tu as compris, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et ce livre audio va être ultra important pour moi parce qu'il va me permettre de penser à autre chose. Sauf que aujourd'hui, tu trouves des livres audio sur à peu près tout, tu as des plateformes, etc. Même si tu écoutes des podcasts, le problème c'est que moi j'arrive pas à dormir avec un livre audio classique ou avec un podcast parce que les variations d'intonation de voix, parfois tu vois je parle un peu plus fort, parfois je parle un peu moins fort là dans ce podcast, bah ça fait que ça va me réveiller. Et quand tu écoutes un livre audio, aujourd'hui les mecs qui te le racontent, c'est ils te mettent l'intonation, le truc, et ils prennent les voix de différents personnages. Quand le mec il crie, bah il va parler plus fort. Ça m'empêche de dormir. Et c'est là où il y a l'application magique. Il y a une application qui s'appelle Speechify. Et en fait, cette application permet de transformer n'importe quel texte il va te le lire. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui fait ça. Et l'intelligence artificielle, elle a une voix plate et monotone. Ah, mais un peu robotique du coup. Un peu robotique. Mais en plus de ça, je peux choisir la vitesse. Tu peux mettre plus ou moins rapidement, etc. C'est agréable. Honnêtement, tu t'habitues parce que c'est quand même plutôt assez bien fait. Moi, je me suis habitué, ça fait plus d'un an que je fais ça. J'ai commencé à Budapest. Hein. Et même avant Budapest, parce que je m'étais fait tous les Harry Potter avant que je parte à Budapest. Okay. Une petite dédicace à Harry Potter. Et s'il écoute le podcast. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir une voix calme et plate, en fait, ultra plate. Ça monte jamais. Et t'écoutes ton histoire, t'es dans l'histoire, et honnêtement, t'as pas de truc qui va te réveiller, et tu vas partir avec ton histoire.
Et voilà comment ça va se passer. C'est comme ça que moi, je vais dormir. C'est comme ça que ça va être ma routine. Et en plus de ça, par rapport à l'application, donc c'est gratuit, tu peux transformer n'importe quel texte en... Enfin, il va te le raconter, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu trouves n'importe quel livre en version numérique. Même tu peux avoir, voilà, tu prends, ça peut te lire les livres Amazon Kindle, si tu as une liseuse, etc. Tu peux relier, c'est vraiment bien fait. Et comme ça, du coup, ça peut t'aider toi aussi à trouver le sommeil. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Et honnêtement, c'est comme ça que j'ai les meilleures performances en termes de sommeil depuis un petit moment. Et également, il y a un autre point qui m'a aidé, c'est depuis que je suis plus léger aussi, je dors mieux. Voilà. Ouais. Voilà, je le dis. Je le dis, si tu as des difficultés à dormir, c'est peut-être aussi que tu es un peu gros. Ouais. C'est vrai que ça, on l'avait vu quand on avait fait notre gros surplus calorique. Alors, voilà, on était monté très haut et je me rappelle que je ronflais. J'avais ronflé alors que j'avais jamais trop ronflé. Or là, je l'ai vu avec ma Oura parce que du coup, au plus haut que j'ai été avec, quand j'avais la Oura, j'étais à 107 kilos. Et je suis descendu du coup jusqu'à 83. Et en fait, il y a vraiment une relation entre plus mon poids descend et mieux je dors. Ouais. Et pour tout, ça on l'a déjà dit aussi sur l'aspect digestif, moins tu vas manger de calories, alors même si tu prends des bonnes sources, un mec qui mange 5000 calories, donc bon, là à mon avis, le surplus est sacrément balèze, contre un gars qui mange 2800. C'est sûr qu'il y en a un qui pètera moins et il y aura un mec qui digérera moins, ça c'est clair. Qui digérera mieux, pardon. Mais en fait, ouais, le corps n'est pas fait pour être super, super lourd. Hein. Bien sûr. De toute façon, tu regardes bien dans toutes les études qui visent à avoir une amélioration des marqueurs de santé, le point commun de toute amélioration des marqueurs de santé, c'est une baisse de poids. Bien sûr. Mais ça, c'est transversal et puis bah, c'est ce que recommandent toutes les grandes organisations, notamment l'OMS. Je crois que j'ai fait le tour pour ma routine parce que là on s'est un peu éloigné. Je suis sûr que tu vas me dire, hey, j'ai oublié ça. C'est sûr que j'ai oublié certains trucs. Honnêtement, je suis sûr que j'ai dû en oublier au moins la moitié, mais au moins ça vous a donné une idée et ça vous a donné voilà l'importance de l'odeur, de la température, de l'audio. L'écoute, en fait, ouais. c'est vraiment genre ça joue vraiment sur les sens. Les cinq sens, ouais. Et il faut vraiment que quand j'ai le toucher avec ma couverture lestée, mon lit. En fait, il faut vraiment que quand j'arrive dans mon lit, ça soit genre le cocon, un endroit où je me sens bien. Et surtout, mon lit, c'est un endroit, et ça c'est vraiment ultra important, c'est un endroit où je ne fais que dormir. Et baiser. Et que dormir. J'ai dit vraiment que dormir. Je crois que t'as dit un autre truc. J'ai dit autre chose. Je sais pas, faudrait remettre. Ouais, c'est. Bon, bah, vous pouvez peut-être remettre un peu en arrière, moi je crois que j'ai dit que dormir. Mais pourquoi je dis ça? Parce que du coup, il y a des personnes qui vont se servir de leur lit pour regarder la télé, regarder leur téléphone, regarder les trucs. Moi vraiment, genre le lit dans ma tête, c'est associé uniquement au sommeil. Au sommeil et voilà, au livre audio, etc. Et. C'est quelque chose qui est assez important parce que le soir, vraiment, le soir, quand je suis déjà explosé, j'ai vraiment envie d'aller dormir. Mais en plus, j'ai ce truc du « Oh putain, c'est bon, là, je vais écouter mon livre audio dans mon petit cocon et je vais avoir chaud, il va sentir bon, ça va être cool et tout. » Voilà, j'ai envie d'aller dans mon lit pour ça. Et il y a des personnes qui, au final, vont dans leur lit. Une fois qu'elles sont dans leur lit, elles regardent des séries, elles regardent des trucs, elles vont sur le réseau. Mais au final, leur lit, ça devient presque un endroit où elles passent plus de temps à faire autre chose qu'à dormir, tu vois. Et c'est vraiment ultra important, je pense, que le lit soit un endroit où tu ne fais que dormir et potentiellement... J'ai dit que Kent. Bon, allez. Moi, je vais pas être aussi vas-y, tu fais pas la princesse narratif que toi. Tu fais pas la princesse autant que moi. Non, c'est-à-dire que bon, forcément, il y a des choses qui sont assez similaires aux tiennes, même si pour moi, je symbolise vraiment... Toi, tu pètes déjà dans ton lit. Ben, finalement, non, je te dis, j'ai beau écouter les enregistrements, j'ai pas de paix. Je suis bien déçu parce que j'aimerais bien savoir... Alors, en vrai, il y a quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est que moi, je suis tout seul. Je dors tout seul. Du coup, j'ai vraiment genre, je peux faire ce que je veux de ma routine. Toi, tu dors avec quelqu'un. Ouais. Le chat. Mais figure-toi que le chat, j'allais y venir. Ah ouais. J'allais y venir. Vas-y, bah, raconte. Mais du coup, ça peut être différent
Enfin, il y a des choses qui peuvent être différentes. Et du coup, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui écoutent le podcast qui, du coup, ne peuvent pas mettre en place tout ce que moi, je mets en place parce que, du coup, bah, moi, je suis seul. Et si toi, tu écoutes le podcast et que potentiellement, bah, tu dors à 2 ou à 3 pour les plus coquins, et, ou à 4. À 4. Plus on est de fou, plus on rit. Mais, tu dors pas trop quand t'es 3 hein, ou 4 dans un lit normalement. Hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que vous faites, les gars, mais. Je sais pas. El cardio, mollo, mollo. Et voilà, du coup, Rémi, je te laisse raconter. Par où commencer ? Alors, on va commencer par un petit peu le départ. Donc, bien avant que j'arrive dans ma chambre, premier point, j'aime toujours manger, mais bien manger. Tu vois, pour moi, c'est important d'avoir la peau du ventre bien tendue le soir. Donc, on va dire que. Juste avant de dormir ? Ah, bah non, parce qu'après, j'ai d'autres choses après. Mais on va dire que c'est quand même relativement proche de mon sommeil. C'est-à-dire que, généralement, une heure au plus court, 1h30, 2h au plus grand, je suis au lit. Et j'aime avoir un repas assez copieux. C'est là où j'ai les principales calories de ma journée. Tout est un peu regroupé là. Mm-hmm. Et après, je vais prendre ma douche. Pas de douche froide, moi j'aime prendre aussi du confort sous la douche et pas m'infliger quelque chose que je n'aimerais pas. Donc ça va pour très bien, enfin ça va pour des personnes très bien. Pour moi, c'est pas le cas. J'aime avoir une douche toute simple, agréable. Je ne fais pas couler l'eau trop longtemps, mais j'aime voilà, prendre le temps. Je me brosse les dents pendant longtemps aussi sous la douche. Pour moi, c'est aussi un moment où je me libère de toutes mes pensées. Ouais, je fais ça. Putain, mais... C'est hyper important d'avoir un moment où. Vous n'êtes pas concentré sur autre chose, mais où vous laissez aussi votre esprit partir. Donc, c'est un moment où j'aime bien voilà, être dans mes pensées, me brosser les dents pendant très longtemps, il n'y a pas de problème. Et après, j'aime bien être un petit peu avec le chat. J'ai un chat, bon, j'ai aussi une compagne, mais j'ai un chat. Mais tu préfères le chat ? Non, mais comment dire ? Parce que bon, pendant que je prends ma douche, voilà, moi je prends ma douche, mais après, pendant que je suis avec le chat, ma compagne prend sa douche, ou inversement, peu importe. Tout ça pour dire que le chat... Tu t'en sers comme d'une serviette. Voilà, par exemple. Pour tout. On sert pour tout, la serpillière. Non, il est vraiment mignon. Et surtout, ça apaise. Ça renforce ce côté que j'ai déjà commencé avec la douche où voilà, je commence à diminuer un petit peu le rythme où ma journée est finie. Je prends le temps avec le chat. Alors, bon, je ne suis pas aussi précis que toi, mais j'ai encore mon téléphone à ce moment-là. Mais on va dire que je prends le temps de répondre tranquillement à mes suivis encore. C'est difficile. En fait, c'est difficile de déconnecter. Complètement. Parce que même si tu essayes, c'est pour ça que je disais, parfois, il y a certains de mes suivis que même si à partir de 8h, par exemple, j'essaie de plus répondre, tu ne peux pas complètement déconnecter. Tu essayes de réduire, mais c'est... C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, et puis pour moi, voilà, depuis que j'ai commencé le coaching, j'aime bien aussi être libéré de mes notifications. Pour moi, c'est aussi un petit peu l'achèvement de ma journée. J'aime me dire, OK, j'ai répondu à toutes les personnes dont je pouvais répondre. Alors bien sûr, voilà, quand je dors, je dors. Hein, je ne me lève pas en pleine nuit pour répondre à mes suivis. Mais je veux dire par là que quand je décide de poser mon téléphone, j'ai normalement répondu à toutes les personnes que j'accompagne. Moi, c'est vraiment important pour moi. Je faisais ça aussi avant, tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître. En gros, tu te dis, OK, je termine la journée en ayant répondu à tout le monde. Sauf que, au final, tu réponds, mais du coup, il y en a d'autres qui te répondent. Et au final, ça dépend parce que forcément… C'est un cercle sans fin. Et les jours, surtout en fait, la charge mentale. Parce qu'il y a certains jours où, voilà, tu as beaucoup de boulot, tu ne peux pas répondre à tout le monde et tu te dis, OK, il faut que j'ai vraiment répondu à tout le monde pour me sentir bien. Ah oui. Et vu comme tu ne peux pas le faire, tu vas te coucher en te disant, je ne l'ai pas fait et du coup, tu dors moins bien. Alors, moi, ça fait partie des principes aussi que j'ai mis en place aussi avec ma compagne. C'est qu'elle sait très bien que j'ai besoin d'avoir ce temps-là où j'ai besoin d'avancer aussi sur la réponse, enfin sur les réponses. Alors, attention, je n'ai pas non plus 50 000 suivis, mais… j'ai besoin aussi de me dire, OK, mon travail est fini pour la journée, j'ai répondu à toutes les personnes que je pouvais répondre. Bien sûr, je ne rallume pas l'ordinateur à ce moment-là, mais je veux dire, tout ce que je peux faire sur mon téléphone, je le fais. Et je suis avec mon chat à ce moment-là. Je le répète, il vient toujours à côté de moi ou sur moi et je suis dans mon petit canapé pas pesant. C'est un petit fauteuil en osier là qui est un peu bancal, mais il est terriblement confortable. Je fais le traverser plein de fois. Voilà, et donc je me mets et le ronron du chat, plus ce petit temps où je suis déjà apaisé par ma douche, puis le temps où je continue d'être un peu sur mon téléphone, où je sais que
je vais finir mon travail, ça fait du bien. Et puis après, je vais me coucher, donc toujours en décalage avec ma compagne, parce qu'elle aussi a, a ses rituels, je ne vais pas en parler, parce qu'elle a besoin de faire sa petite routine, pas maquillage, mais voilà, soin, machin. Et après, elle a un temps aussi, elle aime bien prendre un temps de lecture ou aller dans le salon. Mais moi, je suis déjà au lit à ce moment-là. Et je mets en place ma petite routine de relaxation. J'aime travailler sur ma respiration. Ça, c'est un truc que j'avais déjà partagé dans une de mes newsletters, ou sans forcément rentrer dans de la méditation, parce que ça, c'est vraiment un truc que je n'ai vraiment pas exploré, mais qui s'en rapproche, hein, finalement, c'est se concentrer sur sa respiration, sentir son souffle, sentir ses poumons, etc. Se recentrer sur soi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, il ne s'agit pas de le faire pendant 10 minutes. Hein. Je dis juste que moi, je mets mes mains sur mon ventre et voilà, je laisse mon souffle partir, enfin inspirer, expirer, sentir que voilà, mon rythme cardiaque descend. Et ça, vraiment, c'est un truc que j'aime bien. Je suis parfois encore sur mon téléphone à ce moment-là. Je sais qu'il faudrait que je le limite, mais encore une fois, je ne suis plus dans une optique de il faut que je prenne un maximum d'informations à ce moment-là. C'est fini pour ce moment-là. Et après, je vais facilement rentrer dans l'endormissement parce que j'aurai fait déjà toute cette routine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que j'ai terminé mon travail en répondant à toutes les personnes, je sais que le lendemain, je vais avoir aussi, soit pas ou soit très peu de notifications, parce que forcément, au moment où je m'endors, j'ai mes suivis aussi qui dorment ou qui s'endorment aussi juste après. Donc, normalement, j'ai peu de notifications dans la nuit. Donc, le matin, c'est un temps aussi où je vais pouvoir le dédier aussi à un réveil doux, parce qu'on parle beaucoup du sommeil, mais aussi le réveil est important. Donc, comme je l'ai dit, j'ai l'application qui me réveille de manière naturelle, hein, donc c'est sur ma fenêtre que j'ai réglé. Et là, je peux rentrer sur ma phase de réveil où je ne suis pas directement exposé à mon téléphone parce que je n'ai pas de notification à ce moment-là. Mais c'est un temps après où je vais commencer ma journée de travail en allant sur l'ordinateur et puis après entamer après mon travail. Voilà. Donc, je crois avoir tout dit sur mes petites routines. Il y avait un temps aussi où je ne dormais pas très bien et j'avais mis en place des écoutes. De cascades d'eau ou de bruit de tondeuse ou de pluie qui tombe. Ouais. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà entendus, mais qui apaisent. Et pour le coup, pour moi, ça avait très bien fonctionné. Mais encore une fois, je l'avais tout de suite identifié. C'était parce que j'avais à ce moment-là d'autres choses qui me tracassaient. Et à partir du moment où c'était fini, ça allait beaucoup mieux. Donc, pas de routine extraordinaire, pas de parfum, etc. Si, c'est ça que je voulais dire par rapport à la literie. Je te rejoins là-dessus. Une très bonne literie, un très bon matelas pour moi, c'est incontournable. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai mon lit. J'en avais déjà parlé dans le podcast en plus. C'était fait chier à le monter, putain. On s'était fait chier à le monter, mais qu'est-ce qu'il est bien, vraiment. Je m'endors très bien. Il est assez ferme, il est pas souple, tu t'en enfonces pas dedans. Et si, très important au niveau de. Alors, moi, j'ai pas de couverture lestée, j'ai pas de drap particulier, etc., parce que je dors aussi accompagné. Et aussi, il faut que ça convienne à madame. Donc, j'ai juste des draps simples. Mais par contre, chose que je fais et que je faisais pas quand j'étais seul, ça veut pas dire que je suis crado, mais c'est que je change mes affaires pour dormir, donc mes draps, toutes les semaines. Ouais. C'est un truc qui est hyper bien et ça que je tiens de notre mère. Notre mère nous a toujours dit que tu dormais mieux dans des draps qui étaient tout frais, propres, tout frais. Et je me rappelle toujours que quand on changeait nos draps chez nos parents, quand on était petits, tout de suite la nuit où tu avais un drap très bien bordé, etc., tu dormais mieux. Ouais, parce que c'était la daronne aussi, elle faisait le lit, mon gars. Elle faisait le lit très bien, ouais. Il y a toi quand tu fais ton lit et quand la daronne a fait le lit, c'est pas du tout le même lit. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que j'adore changer mes draps et sentir qu'ils sont frais aussi. Et dernière chose sur la température. Moi, ma température, je sais pas exactement combien elle est, mais elle est pas 19. Enfin, du moins, elle est bien moins haute que dans mes autres pièces de vie. Elle est, je suis sûr, aux alentours des 16-17 degrés. Mais parce que moi, j'aime aussi. C'est frais, hein, 16-17. Hein. Mais c'est ce que j'aime aussi. J'aime aussi avoir ce confort et ça correspond aussi à madame. Voilà, donc rien de bien farfelu, hein, une routine qui me correspond, à personnaliser en fonction de chacun. Je pense que sur la routine de Denis, vous avez plein d'éléments, si vous voulez en essayer certains. J'aime beaucoup le côté un peu olfactif des choses. Ça, c'est bien. Il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit, c'est... je mets aussi, c'est là où je mets pas mal de. Je mets des crèmes aussi sur ma gueule, je mets des crèmes aussi sur mon corps parce que du coup, avec Rémi, on a les mains niquées, on a pas mal de crevasses, etc. Et du coup, quand tu te réveilles la nuit parce que tu as une crevasse qui tire, honnêtement, c'est désagréable. Ouais. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça, entre guillemets. En fait, juste tu te dis, je vais me coucher, je suis tout bien, je suis tout propre, j'ai rien qui me tire. C'est vrai que pareil, quand tu as la peau du visage qui est sèche,
tu te sens pas forcément bien. Donc ouais, c'est vraiment le lit, c'est intéressant. Et par contre, tu vois, tu parlais de la tondeuse, tu parlais de la respiration. Ouais. Moi, la respiration, c'est des trucs que j'ai essayé, ça me casse les couilles. Et en fait, je le fais pas pendant 5 minutes, hein, je te dis vraiment, je me mets sur le dos. Mais même genre, parce que moi, ça va dériver et je vais commencer à faire du vacuum. Je sais que, par exemple, voilà, il y a des trucs, c'est pas pour moi. Voilà. La tondeuse, c'est pareil, genre les bruits de tondeuse, moi je peux pas faire ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est comme dans ma routine, il y a peut-être des trucs qui ne vont pas te correspondre et d'autres trucs, surtout le bruit de tondeuse, ça va t'aller, tu vois. La méditation, ça va t'aller. Mais encore une fois, il faut que tu testes et tu finiras par avoir peut-être une routine aussi aboutie entre guillemets que la mienne. Pour l'inspiration et l'expiration, ce côté un petit peu méditation, encore une fois, le terme n'est pas approprié, mais juste sentir que tu vas chercher cette inspiration qui te bloque un petit peu au niveau du diaphragme, là, ça fait un bien fou. Parce que, voilà, on a un rythme assez soutenu, les journées sont toujours bien, bien rythmées et assez chargées. Tu accumules aussi du stress, etc. Et je trouve qu'avoir ce moment où tu arrives à débloquer cette inspiration qui te fait du bien, qui te dégage un petit peu le corps, je trouve que celle-ci, c'est celle qu'il faut pour vraiment finir l'apaisement complet avant de dormir. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous partager vos routines dans les commentaires. Denis, je pense plus au référencement que toi. C'est ton boulot. Hein. Donc, partagez-nous vos routines. Dites-nous si vous avez des choses que vous faites et qu'on ne fait pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire si l'inspiration, là, cette petite inspiration qui vous fait du bien, qui vous dégage un petit peu les bronches, quoi. Ça se trouve que si. Non, il n'y a que toi, ça. Bon, ouais. Dites-nous en commentaire dans tous les cas. Dites-nous aussi si vous enregistrez quand vous pétez la nuit. Ou si Rémi est le seul. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le sommeil, mon frère? On a parlé de pas mal de petites choses. Ah, je trouve qu'il est très complet. T'as parlé du réveil aussi. Oui. Tu mets un réveil, toi? Oui, comme je te dis, en fait, c'est réglé dans l'application, mais... Ah, il reparle de l'appli. L'application me réveille naturellement. Et en gros, voilà, j'ai une fenêtre de réveil et ça me va très bien. Donc le matin, voilà, comme je l'ai dit, je me lève plus tôt que ma compagne et je vais directement dans mon bureau pour commencer à travailler. Je ne mange pas tout de suite. Voilà, je ne fais pas mon petit-déj tout de suite. Je sais que j'aime bien être sur mon écran, lire pour le lab, écrire des choses comme ça pour le lab. Ça, je le fais toujours le matin. Parce que c'est un peu le moment où tu es toujours le plus disponible, hein, quoi qu'on dise, il y en a qui sont plus frais le soir. Pour moi, c'est clairement le matin, c'est là où je suis le plus disponible, hein, on ne va pas se le cacher. Et je vais travailler pendant, oui, facile, 1h30, 2h30, voilà, à peu près, avant d'aller prendre mon petit déjeuner. Voilà. Moi, je fais pareil. Du coup, vu comme je suis dans le gym, du coup, je dors dans mon bureau. Donc, je suis littéralement à 2 pas de mon tapis. Ce qui fait que le matin, quand je me réveille, je suis en fait, vu comme je ne fais que dormir, donc moi je ne mets pas de réveil, je n'utilise pas l'application qui me réveille toute seule, je me réveille naturellement et je vais avoir vraiment une fourchette assez large qui va être comprise entre 5h du mat et on va dire 7h30 au plus tard. Ouais, 7h30 au plus tard, et du coup ça va se réguler comme ça. Je vais me réveiller à 5 heures quand mes besoins en sommeil ne sont pas, genre par exemple souvent le lendemain d'un jour de repos, ce sera comme ça. Et en général, quand je vais m'entraîner, aussi quand je vais m'entraîner, souvent je vais me coucher un peu plus tard et je vais dormir un peu moins bien. Et du coup, forcément, je vais me lever un peu plus tard parce que pour avoir, on va dire, mes heures de sommeil, eh bien, je vais avoir besoin de me lever un peu plus tard. Mais encore une fois, ça fait des années que je me réveille sans réveil. Et j'ai le même cycle tous les jours. Et je me réveille toujours sur ce créneau-là. Je me couche toujours sur ce créneau-là depuis des années maintenant, on va dire. Et ouais, du coup, dès que je me réveille, je fonce sur mon tapis. Enfin, je fonce. je me mets directement sur mon tapis. J'organise ma journée. Je check mes mails. Je vois un peu ce que j'ai à faire. Et également, en fait, mon tapis de marche me sert de chauffage. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il envoie. C'est pas. Enfin, effectivement, je le fais beaucoup chauffer parce que quand. Et t'es épais aussi, mon gars. Faut qu'on arrête. L'épais, ça fait pas plus de vues. Le cul, oui, mais parler d'épais, ça fait pas plus de vues. C'est vrai que ça fait pas arriver.
Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je marche sur mon tapis. Et après, une fois que, du coup, parfois ça peut être rapide, hein, ça peut être que 30 minutes. Et après, bah, c'est là où justement je vais manger, préparer mon repas, etc. Et après, je refais du tapis. Mais cette fois-ci, pour répondre, bah, du coup, répondre par exemple aux commentaires du podcast. Répondre à mes suivis, etc. Là, c'est le matin, ouais, on va dire, j'ai au moins 2 bonnes heures de marche sur tapis tous les jours. Ouais. Ouais, je marche pas trop rapidement. Hein. Je pourrais marcher plus rapidement, mais du coup, ça me fatiguerait plus et ça nuirait à ma récup. Et c'est surtout que si je marche, c'est juste pour pas perdre mon temps, parce qu'il faut absolument que, genre, bah, tu vois, que je réponde aux commentaires en marchant ou En en étant étant assis, assis, ça change rien. c'est ça. Si tu peux faire la multitâche, hein. Exactement. Et dans tous les cas, je sais qu'à la fin de la journée, j'aurai toujours plus de 24 steps. Donc je me prends pas la tête à essayer de les optimiser. Je me prends pas la tête à essayer de les optimiser. Voilà. Si, c'est sûr que si j'étais plus restreint, mais maintenant j'ai un tapis bah, juste au niveau de mon espace de travail, donc je peux travailler debout. Et le fait d'avoir un tapis là, bah, ça fait que je me speed un peu moins. Je sais que quand je fais du tapis, par exemple, à la salle, bah, je vais marcher à 5,5, 5,7 km/h. Alors que là, honnêtement, le plus haut que je monte, ouais, je monte à 4,7 pour vous dire. Donc c'est vraiment très long, Il enfin monte très jusqu'à lent. combien? Parce qu'il ne doit pas monter beaucoup plus. Hein. De quel tapis Ton tu as? tapis de Mon marche. tapis, il monte à 10. Mais Ah ouais. sur mon tapis, je suis à l'équivalent de 3,5-4. Parce que enfin, je le règle à 5, mais c'est pas réellement 5 si je le compare à l'autre, Ah enfin, oui. aux autres tapis qui sont dans le gym. Et du coup, petite anecdote, vu en fait mon tapis au niveau de mon bureau, vu comme je fais beaucoup tout ce qui est montage vidéo, etc. aussi, eh bien, j'en fais énormément en marchant. Bah, en fait, ce tapis chauffe énormément et j'ai un cycle où je mange beaucoup de tapis. C'est-à-dire que bah, là, il y en a pas longtemps, j'ai dû en changer. Parce que bah voilà, il marche au minimum 3 heures par jour. Et du coup, je suis obligé de lui faire des pauses où j'alterne entre les tapis de la salle et les tapis de mon bureau. Donc encore une fois, il faut que j'organise mon travail en fonction de ça, en fonction de ce que je fais sur mon PC, en fonction de ce que je n'ai pas besoin de faire sur mon PC et que je peux faire sur mon téléphone. Mais encore une fois, tout est organisé. De toute façon, hey, tu as vu comment j'organise mon sommeil. Tu te Il doutes est bien laser, le 2-2. que j'organise toute ma vie. Tout est optimal. Voilà, c'est le mot, optimal. Mais voilà, sinon mon réveil se fait sans réveil, naturellement, et voilà, trouver un Un petit caillou. caillou, ouais. Sur notre beau sol, on va pas quand même le rayer, bordel de merde. Putain, il nous a coûté bien assez cher ce sol. On s'est bien amusé à le poser. C'est vrai. Parce que du coup, morale de l'histoire par rapport, je reviens, je fais un petit retour en arrière, par rapport aux travaux dans le gym, à partir du moment où on a su qu'on était capable de faire l'électricité et la plomberie, tout ce que vous voyez dans le gym, hein, On a tout fait. on a tout fait. On s'est dit, ok, allez, on pousse le truc jusqu'au bout, on ne donne plus une thune à un artisan, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire que là, des seuils, en passant par les plinthes, en passant par Les les cloisons, cloisons, tout. l'électricité, on a refait de l'électricité, on a refait plein de trucs en fait, hein. Là où on est mauvais, alors mauvais parce qu'on n'a pas forcément les bonnes idées, c'est pour la déco. Donc, Putain, c'est. Non, mais si vous c'est êtes ça. encore là dans ce podcast, Chiant la déco. alors la déco, c'est juste qu'on est des bites et que c'est pas des trucs Ouais. qui nous intéressent. Parce que du coup, petit point, effectivement, sur le live, l'idée du live a été largement acceptée. Et donc maintenant, eh bien, on va voir comment on met ça en place, comment on organise ça. Et également, il va falloir qu'on réinvestisse dans du matériel. Et ce n'est pas avec les 3 euros de chaque podcast, plus le prix de la salle, qu'on va pouvoir réinvestir tout de suite. Donc on espère, voilà, mettre ça en place progressivement. Mais en attendant, bah, il va nous falloir un beau décor. On a derrière nous une superbe étagère. Là, il y a le tableau. On peut rajouter plein de choses. Vraiment, il y a de la place. Hein, vous le voyez de toute façon sur la vidéo. On a déjà eu des suggestions sur Instagram, Ouais, donc donc, n'hésitez pas à nous proposer en fait. qu'est-ce que vous verriez bien dans ce Ouais. décor? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous aimeriez toujours que Rémi participe au podcast? Je savais, j'allais prêcher ce que t'allais dire. T'es fou. Qu'on fasse une cagnotte. Attends, qu'est-ce que tu Ce vas dire? serait pas mal, tu sais, genre on met un petit pot et dès qu'on se trash talk, on met une pièce et genre ou autre chose.
Et pour on chaque... est un compteur, tu sais. Ah ouais, et pour chaque truc, c'est 1 kg de fonte en plus pour la salle. Moi, ça me va, et c'est une très bonne idée, ça. À partir du moment où on dit un gros mot aussi, où on dit le mot bit, ou... un compteur pour ça aussi. Un compteur. Mais du coup, ouais. Ça, ça a été proposé sur Insta, justement, de mettre un petit compteur sur comment on se bâche. Ah, ça peut faire, ça peut très très vite augmenter la fonte. Parce que toi, tu vas vouloir augmenter la fonte, donc tu vas y aller franco. Ouais, mais on fera des plaques custom, on fera des plaques de 100 kills, mec. je vais t'insulter. Oh, ça serait génial, très bonne idée. Bref. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sommeil. Je sais pas combien de temps a duré le podcast, mais il a duré, je pense, plus longtemps que les deux derniers qu'on avait tournés. Sachant qu'on a perdu la batterie là-bas. Je pense qu'on a dépassé l'heure 30. Je pense qu'on a dû perdre au moins d'autres caméras. On a toujours les micros ? On a toujours les micros. On a toujours les micros, ce qui est étonnant. J'ai eu un petit coup de flip, je ne voyais plus le rec. Mais on a au moins une caméra et les deux micros, donc le podcast pourra sortir. Si vous êtes encore ici et que vous avez aimé le podcast et que vous aimez le podcast de manière générale, n'hésitez pas à nous mettre une petite étoile. 5 étoiles, c'est vrai que ça fait plaisir. On oublie de dire en début de podcast, parce que c'est là où les gens sont plus études d'écouter et donc de noter le podcast. Donc ceux qui sont encore là et qui n'ont pas encore mis l'évaluation de 5 étoiles, faites-le. Mettez des commentaires, mettez des likes. On veut aller chercher les 2000 évaluations sur Spotify. En vrai, je ne sais pas ce que ça nous apporterait, mais en fait… Ah, c'est le Graal. Je pense qu'en soi, les évaluations, pour nous, ça ne nous apporte rien, on va être honnête. Mais c'est surtout pour les gens qui ne connaissent pas le podcast que ça peut apporter. Parce que plus le podcast est noté de façon positive, et plus en fait, il est susceptible d'être exposé à des personnes qui veulent se renseigner sur du contenu muscu, etc. C'est ça. Et ouais. Parce qu'en fait, c'est très simple. Hein. C'est nous… Qu'il y ait une étoile ou 40 000, ça ne change rien. Et comme on a dit, on ne gagne pas d'argent avec ce podcast. Juste, en fait, plus de personnes vont l'écouter. Et si aujourd'hui, tu en as marre que les gens s'entraînent mal en salle de sport, que eh bien, tout simplement, tu souhaites toi aussi aider les gens à progresser, eh bien, tu as ce pouvoir en mettant une étoile, tout simplement. Et pourquoi pas en envoyant ce podcast ou en parlant de ce podcast autour de toi. Ouais, exactement, parce que je pense que… Non mais c'est vrai, parce que quand on dit mettez une étoile, mettez un truc, la dernière fois dans les commentaires YouTube, ça c'est important, la dernière vidéo, donc j'ai poussé un petit coup de gueule, ouais vous avez parlé de mes cheveux, etc. Et au final, j'ai dit ouais je réponds à tous les commentaires, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Bah du coup il y a eu beaucoup plus de commentaires, des mecs qui ont posé des questions, des mecs qui ont échangé. Et tu vois, autant la section commentaires, elle sert à ça, elle sert à échanger avec vous. Posez vos questions, vous avez des questions sur le podcast ou même des questions de manière générale, des suggestions pour le podcast. C'est à ça que sert la section commentaires, à ce qu'on échange directement entre nous. Les évaluations, ça sert du coup à mettre en avant le podcast. Tout comme si tu l'écoutes sur YouTube, genre mets un like, tu vois, ça coûte que dalle un like et ça aide au référencement de la vidéo. Tout comme les commentaires également aident au référencement. Mais voilà, ça fait que ça aide le podcast à être mis en avant, à être proposé à certaines personnes. Et du coup, ces personnes vont l'écouter, en apprendre davantage sur la muscu, en apprendre davantage sur le sommeil par rapport à cet épisode. Et du coup, bah, ça va les aider tout simplement à progresser. Et ça, ce n'est pas nous qui avons ce pouvoir, c'est toi qui l'as. Oui, parce que, petite anecdote, là, j'ai reçu, je crois que c'était la semaine dernière, un commentaire, enfin, pas un commentaire, un message sur Instagram d'une personne qui n'est pas dans la musculation, mais qui m'a dit, en fait, je suis tombé sur votre podcast par hasard parce que, elle savait pas trop ce que ça voulait dire zéro RIR et en fait à l'écoute elle s'est dit mais en fait j'aime bien la vibes, j'aime bien un petit peu la mentalité et en fait voilà j'adhère. Alors elle semble sportive quand même si c'est pas de la musculation, elle aime le côté un petit peu mindset qu'on a et qu'on donne, etc. Donc voilà, tant mieux si le podcast s'élargit, il ne reste pas que dans le domaine de la musculation. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en France on n'a pas de réel podcast qui parle de muscu pur. Ouais. Il faut bien en avoir, effectivement. Je pense Qui parle de muscu pur, qui aborde des questions comme on le fait. Souvent, c'est autour de la musculation. Mmh. Ça fait intervenir des personnes de la musculation, mais ça ne parle pas de sujets profonds à la musculation. Ça ne va pas parler, par exemple, intensité-volume. Mmh. Tu vois, c'est plus voilà, ce qu'il va y avoir autour de la muscu plus que de la muscu pure. Exactement. Bon. Sur ce...
C'était un très bon podcast. Merci pour votre écoute. Ouais, dommage que tu aies été dedans, mon frère. Ouais, je me suis dit la même chose, quoi. Mmh. Est-ce que tu pourras répondre à la question qui est au tableau, Denis ? Pourquoi Denis n'a pas de mollet ? Putain, faut encore que je montre mes mollets, mec. Tu sais, putain, on l'avait fait dans un podcast. Ah oui, t'avais chopé la honte de ta vie, mec. De quoi ? Tu sais, en plus, j'ai pris de ses mollets, regarde. Les auditeurs le verront pas. Mais... Vous allez voir la réaction en live de Rémi. Attends, Rémi, juste avant. Jure sur la vie de Nini. C'est un de nos chats qui était sur la ferme qui est décédé maintenant, mais on dit ça pour quand on jure, que tu vas avoir une réaction honnête en voyant mes mollets. Vas-y. Putain, enculé. T'as vu ça, mec ? C'est vrai qu'il... Bah, franchement, il est chaud, hein, le Denis. Mais bon. Ah, sur ce, vous verrez pas mon mollet, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.